told you once, and I'll tell you twice. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio 9 TV pour encore un deuxième match de ce week-end après le match et la victoire de Saint-Girons hier aux dépens de l'Aiguevin. En finale, honneur avec ce titre tant mérité. Et aujourd'hui, se retrouver sur la pelouse ici à Carbonne pour voir les deux équipes de Montrégeau d'un côté en rouge et bleu du côté de Mirepoix, le club ariégeois. Alors que on va le préciser dans quelques instants, Montrégeau est dans l'autre Garonne pour cette finale première série. Voilà, les joueurs, vous pouvez le voir à l'instant. Bruno ne veut pas regarder. Ses camarades, ses joueurs. C'est des moments intenses qu'on a vécu hier. Président, vous allez nous parler rapidement de votre club, de Montrégeau, on disait la Haute-Garonne, et ce rugby qu'on connaît bien et qui aujourd'hui vous amène à cette finale. Disons que bon, en étant premier de poule, il se devait qu'on soit là aujourd'hui, même si ça a été dur sur les phases finales. Mais bon, je vais dire que Montrégeau, ça fait 60 ans qu'ils attendent un titre Midi-Pyrénées. Après tout un passage fédéral 1, fédéral 2, fédéral 3. Donc ça fait la deuxième saison, puisque c'est un redémarrage. Donc être là au bout de deux saisons, je donne un gros chapeau aux dirigeants et aux joueurs qui ont voulu que Montrégeau renaisse. Avec une équipe jeune. Une équipe jeune. Parce que l'équipe a été rebâtie sur la base des Bélasquet il y a deux ans. Donc, et les vieux cadres qui encadrent tout ça. Et la mayonnaise nous donne la droit d'être sur le pré aujourd'hui. Exactement, c'est la meilleure mayonnaise. Les cadres qui sont là pour encadrer ces jeunes qui viennent. Donc vous avez quand même gardé les écoles pendant ce temps d'arrêt ou non? Oui, nous avons gardé les écoles de rugby qui est en augmentation parce qu'il y a 330 gamins à l'école de rugby. Et nous avons des cas des juniors avec un rassemblement avec Saint-Gaudens. Okay. Merci beaucoup. D'autre côté, Bruno Zanatta, le président du club de Mirepoix, aussi avec une renaissance de ce club qui aujourd'hui revient tranquillement sur cette première série et qui compte bien ne pas s'arrêter là. Oui, on a quitté la première série en 2004, où on était champion. Et depuis, le club a connu quelques difficultés, on manque des joueurs et ça fait 4 ans là. En 4 ans, il y a eu trop monté. Quoi. Donc, il y a de bons jeunes qui arrivent, des jeunes de 20 ans. Comme aujourd'hui, on a peut-être 5 jeunes de 20 ans qui jouent. C'est quand même beau. Quoi. Et c'est grâce à tous les éducateurs et l'école rugby. On a une école rugby quand même de 120 jeunes. Quoi. Et on est en train de monter une équipe junior pour l'année prochaine. Quoi. Et tout seul, je crois que l'école de rugby, vous l'avez tout seul. Tout seul, ouais. Là, c'est assez exceptionnel quand même. Dans le bassin de Pamiers, c'est rare. C'est rare, ouais. Nous, c'est le bassin Mirapicien. Donc, on draine un peu large. Quoi. Il y a plein de petites communes à côté. Qui mettent leurs jeunes chez nous. Quoi. Alors vous avez remarqué que d'habitude c'est moi qui bouge, aujourd'hui c'est Bruno qui bouge et qui ne s'arrête pas. Hein. Alors il est comme ça, vous avez vu qu'il n'a pas voulu regarder les joueurs qui sont passés. Qu'est-ce qu'on peut dire pour cette équipe? On connaît Montrégeau, c'est une très grosse équipe, on l'a vu en poule cette année. On a des difficultés à gagner contre chez nous. Et on dit on va faire le match de l'année. Voilà. Alors présente-nous la personne qui nous accompagne aujourd'hui et qui est à côté d'Alain. Oui, c'est Jacques Claude Rousse, dit Bijou, c'est la Bible du rugby de Mirepoix. Il a connu toutes les époques, il a joué, il a entraîneur, il a été président et tout. Maintenant il est toujours parmi nous. Quoi.
Bon, allez, je crois que tu es bien équipé, hein, tu es bien équipé. On va vous laisser, messieurs, vous serrer la main avant ce match, que le meilleur gagne. Alors je vous rappelle, Alain, tu vas le préciser, que c'est la belle, parce que chacun a gagné chez lui un championnat. Messi Morejo a terminé premier de cette poule aujourd'hui. C'est la belle ici sur ce terrain magnifique, avec un temps exceptionnel comme hier, donc à Saint-Verdun. Que le rugby soit la fête aujourd'hui. Je vous laisse avec, d'un côté, Alain Gouzy, notre commentateur, toujours fidèle, comme hier soir, même un peu fatigué d'hier peut-être. Et à côté, on vous l'a présenté. C'est Jean-Claude Rouch. Jean-Claude Rouch, bijou, voilà. Je vous laisse à la tête tous les deux. Je vais prendre ma caméra pour aller filmer l'entrée des joueurs. A de suite. Eh bien, merci Patrick, et à mon tour, bienvenue donc sur cette 09 TV à Carbone pour cette finale de première série. Une finale très intéressante, avec deux clubs qui ont su tout au long de la saison se montrer à leur avantage. Puisque les joueurs de Montrégio ont terminé premier de leur poule, et que les Mirapistins, eh bien, ont fait une excellente saison, puisqu'ils ont terminé troisième de leur poule. Jean-Claude, bonjour et bonjour. Bienvenue à nos côtés. Et pareillement, eh bien, j'espère que ça sera une belle journée, avec un temps idéal. Je pense que le match devrait être abouti, dans la mesure où... Le match va être abouti parce que les deux équipes ont du potentiel pour faire quelque chose, donner quelque chose d'intéressant, disons. Alors on l'espère, surtout après l'extraordinaire finale que nous avons vécue hier soir à Saint-Verdun, entre, comme le disait Patrick, entre Saint-Girons et Léguevin. Donc on espère cet après-midi la même chose, et devant un public également nombreux, moins nombreux bien sûr qu'hier soir sur la pelouse de Paul Fine, mais beaucoup d'Ariégeois et beaucoup de Haut-Garonnais ont rejoint Carbone aujourd'hui. Il fait très chaud, 22-23 degrés, donc il va falloir que les joueurs prennent en compte le fait de cette chaleur, et donc après, eh bien, que le meilleur gagne. Alors on va de suite passer à la composition des équipes, en commençant par Montrégio, une équipe de Montrégio qui va présenter en pilier le numéro 1, Maxime Fortassin. Le numéro 3, Romain Galeazzi. Le talonneur, le numéro 2, Pierre Cher. En deuxième ligne à l'attelage, le numéro 4, Alexis Brunel. Et le numéro 5, Benjamin D'Olive. En troisième ligne, les deux flanqueurs, Jérémy Conk et Alex Marty, encadreront le troisième ligne centre, Jean-François Val, en numéro 8. La charnière avec le capitaine Julien Daval, numéro 9. À l'ouverture, le numéro 10, Florian Léniaud. Les ailiers, numéro 11, avec Franck Cambours. Et le numéro 14, Sébastien Pagéro. Les centres, le numéro 12, Déo Thomas. Et le numéro 13, Bruno Barthès. L'ultime défense pour cette équipe de Montrégio, le numéro 15, Benjamin Baquet. Les remplaçants, Cédric Jean-Jean, le numéro 16. Le numéro 17, Florian Calé-Ardo. Le numéro 18, Marc Sub. Le numéro 19, Rémi Bergès. Le numéro 20, Audric Letessier. Le numéro 21, Jérémy Bazerc. Et le numéro 22, Guillaume Pouille. Une équipe de Montrégio entraînée par Cédric Dubos et Jean-Pierre Antichamp. Des noms qui parlent, Jean-Pierre Antichamp qui était de Saint-Girons et qui également a œuvré dans l'équipe de Montrégio et de Saint-Gaudens lorsque ceci était en fédéral. C'est ça. Alors du côté de Mirepoix, une équipe jeune, comme nous l'a dit... Jeune à part deux, il en faut toujours un, de devant, c'est sous l'été... Et Bertrand, mais après c'est jeune, c'est très jeune même. Il y a des types de 19 ans, 21 ans, 22. Et puis bon. Et du côté, et surtout des enfants de Mirepoix. C'est des enfants de Mirepoix. Du pays d'Olme alentour. Alors on va passer donc à la composition des Mirapiciens pour cette belle journée carbonaise. Le pilier numéro 1, Jeff Goupil. L'autre pilier, le numéro 3, Mathieu Chaubet. Au talonnage, Mathieu Roman. La deuxième ligne, numéro 4, Robin Rivelange. Et le numéro 5, Thierry Cupiès. La troisième ligne, avec sur les côtés, Benoît Calero, le numéro 6, et Antonin Massat, le numéro 7.
Ils encadreront le numéro 8, Cédric Tisseyre. La charnière mirapicienne avec un numéro 9, Loïc Valette, et un numéro 10, Dorian Lousteau. Sur les ailes, on trouvera un numéro 11, Cyril Bousquet, et un numéro 14, Florent Rosy. Sur les centres, Benoît Zanatan, le numéro 12, et le capitaine, numéro 13, Hugues Andro. Et à l'ultime défense, le buteur, l'ex-Lannevelanessien, Anthony Carbonneau, le nom d'une grande famille de rugbymen. Il y a une parenté. Voilà. Il y a une parenté. Allez, les remplaçants pour Mirepoix, Jérémy Bousquet, le numéro 16, Cédric Bertrand, le numéro 17, le numéro 18, Florent Soulet, le numéro 19, Maxime Razac, le numéro 20, Michael Grenet, le numéro 21, Julien Bachalard, et le numéro 22, Pierre-André Ben. Une équipe de Mirepoix entraînée par Mohamed Imbaden et l'ancien également Bruno Calero, dont tout le monde connaît la valeur. Colomiers, Narbonne, Balma, Pamiers, enfin il a voyagé. Il a beaucoup bourlingué, notre ami Bruno. Bourlingué. Et aujourd'hui, il n'est pas sur la feuille de match. Non, parce qu'il est à la chasse, il s'est tourné le cheville, qu'il a très mal soigné. Il a voulu continuer à. Et ça. Ça ne se guérit pas, quoi. Ça traîne. Il aurait bien voulu jouer, mais là, il est puni par lui-même, hein, disons. Eh bien voilà, il faut savoir si on veut aller à la chasse ou si on veut jouer au rugby. Alors ce que je remarque dans cette composition, et par rapport à ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est que les anciens sont sur le banc des remplaçants. On les économise en début de match. Et on les utilisera en coach player. On envoie du jeune pour essayer de faire recourir ses. C'est mon réjoli, comme on dit, et oui. Ils sont plus lourds, certainement, donc on va essayer d'envoyer du jeu large. C'est l'attaque, et après on pourra rentrer la vieille garde. La vieille garde, donc surtout Florent Soulet, qui lui est un leader, qui était capitaine de Saint-Verdun quand même, il y a quelques années en arrière. Oui. Donc qui à un moment va gérer un peu la situation. Quoi. Et ça part un petit peu en la dérive, quoi. Oui, je ne souhaite pas. Et bien sûr, il est là pour ça. Il apportera son savoir. Et puis le respect des joueurs vis-à-vis de lui, quoi. Bien entendu. Et les arbitres, il en faut des arbitres. Ils sont nombreux aujourd'hui. On va citer l'arbitre de champ qui est Jean-Marc Tartini. Et puis sur la touche, Jean-Marc Bourgade et Charles Bonfanti. Oui. Il y aura deux arbitres d'un but pour. Oui, il y aura deux arbitres d'arbitre. Je n'ai pas le nom. Et le délégué du match, c'est monsieur Christian Delpuey. Alors que voilà, nos Ariégeois avec à leur tête Hugues Andro pénètrent sur cette magnifique pelouse de carbone. Une pelouse sensationnelle. Vraiment, les employés communaux de cette ville de Carbone ont fait un excellent travail. Certainement aidés par la pluie abondante qu'il y a eu ces derniers temps. Mais les équipes devraient se régaler aujourd'hui. Et on peut plaquer à tour de bras aujourd'hui. Et on se croirait sur une synthétique. Ah oui. C'est tout à fait. Exactement. Voilà, on attend maintenant les Mont-Réjolais. Est-ce que les Mont-Réjolais vont faire patienter les Ariégeois? On en a l'impression. Voilà, on se met au milieu. Et regardez, je ne sais pas si vous les voyez sur les images, mais la motivation qu'est en train d'effectuer Bruno Calero, le coach. On sent toute l'envie de ce grand joueur déchaîné là-bas devant ses hommes. Voilà, on attend les yeux dans les yeux, les Mirapiciens attendent de ces Mont-Réjolais, voilà, qui tardent à se présenter. Voilà, l'arrivée de M. Tartini et de ses assesseurs, et on ne devrait pas tarder à voir arriver les rouges de Mont-Réjo. Le vent, il est pratiquement nul. Si hier soir il a joué un rôle particulier du côté de Saint-Verdun où il soufflait avec pas mal de violence, eh bien aujourd'hui on peut dire qu'il n'y a aucun vent dans cette cuvette carbonaise. Voilà, les joueurs rouges et noirs de Mont-Réjo, ça y est, pénètrent à leur tour sur la pelouse. Effectivement, comme le disait le président, eh bien, c'est une équipe relativement Jeanne qui va nous rejoindre aujourd'hui sur cette pelouse. Allez, eh bien, on va souhaiter un bon match à tout le monde et que le meilleur gagne, mais
On aimerait quand même que ce soit le deuxième bouclier qui prenne la direction de Mirepoix. Ben, c'est à souhaiter, mais bon, après tout, hein, si le match est bien, si le résultat est en faveur des rouges, ben, c'est rien à dire. Hein. Bien sûr, là, mais... c'est le rugby. Hein. C'est le rugby. Je vois la semaine dernière, on a gagné l'équipe de Brassac, mais à la fin, on a vu quelque chose d'exceptionnel. La bandasse de Brassac, venir avec les joueurs de Brassac, faire la fête après, à la sortie des vestiaires. C'est le rugby. C'est ça, et c'est ça, je voudrais revoir ça aujourd'hui. Voilà, et on espère. Hein. On l'espère. Voilà, monsieur Tartini est en place. Alors, qu'est-ce qu'il y a-t-il? Quelques soucis sur le banc de touche? Oui, on fait évacuer un peu la sécurité et de mise maintenant sur tous les terrains. Et les arbitres essayent. Allez! C'est parti, alors que vous avez entendu monsieur Corté qui n'est pas très content qu'il y ait des sirènes dans ce stade de Carbone et donc il a interdit l'utilisation des sirènes sur cette rencontre. On le sait, ça peut gêner les acteurs et donc pour éviter tout malentendu, il leur a demandé eh bien, de fermer les sirènes. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé hier soir également. À Saverdun, c'est parti avec le coup d'envoi donné par les Mirapas qui récupèrent le ballon avec balle pour Andro pour son deuxième centre. Une balle et on va revenir à une faute des Montréjolais. Un plaquage haut déjà signalé et les joueurs de Mirepoix, certainement par son buteur, eh bien Anthony Carbono qui sera à 35 mètres face au perche Montréjolaise, eh bien, va tenter cette pénalité. Un bon petit rappel à l'ordre pour le numéro 12, Thomas Déo, qui s'est signalé avec ce plaquage relativement dangereux. Lucide, ouais, bon, quand on suit. Mais c'est l'élan. C'est le début, c'est le stress. Mais il préfère de suite sévir. Et donc, pénalité pour Carbono, allez, 38 mètres. Face au poteau, on connaît la valeur du buteur mirapicien. Espérons qu'il soit aujourd'hui dans un beau jour. C'est une pénalité relativement facile. Il suffit de bien rentrer dans ce ballon. Et normalement, ça peut faire. Alors que je ne sais pas si vous apercevez le président mirapicien qui ne regarde pas la pénalité tentée par Carbono. Il va certainement se fier au cri de ses supporters. Voilà, la balle est partie. Un très bon coup de pied qui passe entre les poteaux. J'ai cru un instant, elle était très haut dans le ciel de Carbone. Et bien Carbono, dès la deuxième minute, et bien ouvre la marque pour les Ariégeois. Donc pénalité pour le numéro 15. Ariégeois, et hier soir c'était à sa place Guillaume Lazerge qui avait ouvert la marque. Est-ce que c'est de bon augure? On le verra plus tard. Très très bon renvoi des Mirapiciens sur la remise en jeu et on immédiatement avec un très très long coup de pied. Je n'ai pas vu qui c'est qui avait mis. C'est Lousteau. C'est Lousteau. Très très bon coup de pied. On est revenu dans les 40 mètres sur la ligne des 40 mètres de Montrégeau et on va assister à la première touche. Alors on va voir si le combat tout part de là. Les touches sont très importantes maintenant dans le rugby. On sait que c'est les meilleurs lancements. Alors on va voir si le talonneur cher fait un bon, oui, très très bonne prise à deux mains et on s'est organisé avec un bon roulé. Avec un déroulé pénétrant de qualité, on arrive sur les 50 mètres. Les Mirapiciens pour le moment ne se sont pas mis en difficulté. Là, ça y est, la faute est indéniable. La balle quand même pour le capitaine Julien Dava qui est pris. Allez, on va revenir pour les centres. Une très bonne action du numéro 12 de Montrégeau à la personne de Thomas Déo. La balle
Allez, un peu en avance pour Déo. On repart avec le pack, avec le numéro 3, Galeazzi. Galeazzi qui va au sol. Balle qui est redonnée avec un soutien. Payero, Sébastien Payero qui récupère la balle sur ce regroupé et on ouvre encore une fois petit côté. Balle encore pour Mirepoix. Les Montréjolais veulent envoyer beaucoup de jeux, il me semble, en ce début de partie. Mirepoix défend assez intelligemment. L'arbitre a baissé son bras. Est-ce qu'il a jugé suffisant l'avantage? Peut-être. Allez, on repart encore, on fait donner les avants, mais là il va siffler une pénalité tout à fait logique car le talonneur de Mirepoix, Mathieu Roman, a plongé. Il se fait sanctionner à son tour et à peu près, petit peu plus près des 35 mètres face aux perches, eh bien, les joueurs de Montrégio vont essayer d'égaliser et le buteur s'appelle Bruno Barthès et c'est le numéro 13. Voilà, pénalité. Alors il ne faudrait pas que le public de Mirepoix siffle car le public de Montrégio tout à l'heure n'a pas sifflé. Voilà, on s'est calmé, c'est parfait. Beaucoup de sportivité, il en faut aujourd'hui. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Allez, la pénalité pour Bruno Barthès. Lui aussi n'a pas trop de problèmes. Elle est face au poteau. Il faut qu'il rentre dans ce ballon, comme l'a fait tout à l'heure l'excellent Anthony Carbonneau. Et la balle qui va s'élever. Et qui passe entre les poteaux. Allez, 3-3. Voilà. Le match est lancé. Le match est lancé. 5 minutes de jeu. Une pénalité de chaque côté. Et donc, c'est le numéro 13, Barthès, donc, qui égalise. Voilà, vous avez entendu le speaker du stade qui l'annonce. 3-3. Allez, tout est à refaire pour Mirepoix. Et très bonne prise là-bas sur la balle de Dorian Lousteau. On s'organise encore. Attention, ce pack de Montrégio m'a l'air très très bien organisé et qui fait souffrir. Voilà, bonne défense cette fois-ci. On n'a pas. On ne s'est pas désolidarisé et on a bien pu défendre. Voilà, dégagement. Attention ce dégagement qui aurait pu être très dangereux s'il avait été contré. Carbonneau. Carbonneau qui monte une chandelle. Un peu longue cette chandelle. Elle est récupérée par Jean-François Val. Val qui est pris, qui va au sol. Balle à disposition d'Aval. Voilà, on va se dégager. Voilà, on ne prend pas de risque. On veut aller jouer dans le camp ariégeois et on fait courir le Dorian, le demi d'ouverture, Dorian Lousteau qui dégage lui aussi, qui a un très très bon coup de pied, très très belle touche trouvée par le numéro 10 ariégeois. C'est la deuxième très très bonne occasion où il se montre à son avantage avec des coups de pied de très bonne qualité. Allez, la touche. On va toujours revenir avec Pierre Cher, qui a l'air lui aussi très jeune. Un joueur qui a l'air très frêle. C'est drôle de voir un talonneur aussi jeune. Hein. On prend des risques du côté de Montrégio. À mon avis, je ne sais pas l'âge qu'il peut avoir, mais il me semble. Je souviens qu'ils aient réservé aussi de relou quelques anciens en deuxième partie. Voilà, peut-être. Allez. En première main, certainement, voilà, c'est fait. Comme ça, on a bien assuré et on se groupe pour un groupé pénétrant, mais les Mirapéciens ont bien défendu. Attention, il ne faut pas se mettre à nouveau sur cette action alors que la balle est bien au chaud dans les mains de Romain Galeazzi. Ensuite, maintenant, c'est le numéro 8, Jean-François Val. Nouvelle pénalité, effectivement, nouvelle pénalité que signale. Que signale M. Tartini, mais surprise, il se trompait M. Tartini, j'étais assez surpris, et donc c'est une pénalité effectivement en faveur de Montrégio, alors que pendant un instant il a fait signe que c'était pour Mirepoix. Voilà, on ne va pas tenter cette pénalité, elle est difficile, elle est à 40 mètres et sur le côté. Disons que c'est leur jeu, dans la mesure, comme ils sont très forts dans les groupes pénétrants, les pénaltouches risquent de leur amener peut-être laisser
Et c'est ça, il y a une bonne touche. Maintenant, privée. Comme je dis, quand je suis certain, si mes repas est privé de ballon, ça va être un peu compliqué. Mais je pense qu'il va falloir qu'ils aillent le jeu au large. Je vois que les amendements régionaux commencent à marcher. Oui, donc c'est peut-être un atout qui pourrait être. Mais bon. Hein. C'est le début, c'est le début. Oui, c'est pas... le début. Et le soleil aussi. Hein. Il fait chaud. Très doux. Mais il faut laisser passer les temps faibles. Il faut être bon dans les temps faibles. Et ensuite se ressaisir dans les temps. Voilà, là encore une très très belle prise. Ah, ouais, là, on n'a pas réussi. Ils n'arrivent pas à les compter. Non, et peut-être et là ça va faire mal. Peut-être le premier essai. Non, on défend très bien là. Et on ne s'est pas laissé embarquer sur le deuxième temps de jeu. Mais on est dans l'embut pratiquement. Je pense que l'essai est imparable. Voilà. Non, pas encore. On s'écroule dans l'embut. Que dit monsieur Tartini? Non, il y est laissé. Et c'est une pénalité. L'essai n'est pas marqué. Et l'arbitre va signaler un petit carton blanc pour un Mirapicien qui. Effectivement, qui a sauvé son camp. Mais Benoît qui, Calero. C'est Benoît Calero qui est sanctionné. Et donc, il va rejoindre pendant 10 minutes le banc de touche. Et l'on joue depuis 10 minutes. Attention de ne pas trop faire de faute du côté des Mirapiciens. Voilà, et alors ils vont bien sûr encore reprendre certainement. Jouer sur leur force avec un élément en moins, c'est jouable pour eux. Allez, on va essayer de revenir pour une pénale touche. Il va falloir serrer le jeu du côté des Bleus qui, pour le moment, ont bien du mal à endiguer les assauts de ce pack montréjolais très très affûté et très bien organisé. Très bien. Attention. Allez, la touche encore pour. Pierre Cher qui depuis le début réussit à trouver son numéro 6 Jérémy Conque. Là il y a deux blocs de saut. Je pense qu'on va encore jouer sur Jérémy Conque. Voilà. Non, cette fois-ci on a changé. Et belle prise encore. Là on s'est bien organisé. Et là c'est très certainement l'imparable premier essai de l'équipe montréjolaise. Ça y est, voilà. L'essai est accordé. Bonjour. Et c'est indiscutable pour Montrégio et il est marqué. Et je pense que c'est Jérémy Conque. Mais on peut priver de ballon, c'est difficile. Et là, c'est la 11e minute. Le carton blanc fait mal et de suite essai. Ah oui, surtout que lui, c'est un très grand défenseur en plus, Calero. Et il, oui. Il va manquer pendant 10 minutes. Et c'est mais donc bon, là-dessus, il n'y a rien à dire. Hein. Non, il n'y a rien ils à dire. Ils sont très bons sur les ballons portés. Ah, il faudra éviter de faire des fautes, il faudra éviter de concéder des pénales touches. Sinon, le sort du match sera vite réglé. Hein. Allez, la transformation toujours tentée par leur numéro 13. Le numéro 13, Bruno Barthès. Une transformation... pas très difficile, pratiquement aux 15 mètres, pas de vent, donc on va très certainement viser le poteau du milieu, l'invisible poteau du milieu. On prend beaucoup de temps pour le buteur montréjolais, la balle s'élève et passe. Allez. Et passe entre les poteaux. Voilà, après 12 minutes, il va falloir remettre le bleu de chauffe du côté des Bleus. Du côté des Bleus, oui. Et le score, donc, après 12 minutes, 10-3. Mais pendant une bonne dizaine de minutes, eh bien, il va falloir tenir le choc à 14 contre 15. Et cette expulsion temporaire du joueur Mirapicien. Allez, c'est reparti. Là, il faut aller à la conquête. Si on n'a pas la conquête, on sera... Ça y est, chaque fois... On est très très bien organisé. On forme le truc, c'est regroupé. Allez, pas l'emporter et puis on écarte. Et on va revenir dans le camp demi-repoids. Oula, attention, c'est deux fois que le contre. Allez, à la tombée avec un bon départ de la troisième ligne
et de Cédric Tisseira. Voilà, petit côté, un petit... Il est contré le ballon. Oh là, que dit l'arbitre? Est-ce qu'il y en avant, effectivement? Il y en avant. Il y en avant et intéressant pour les Émirats Pistec, pour la première fois pratiquement dans le jeu. Ils vont venir dans les 22 mètres et obtenir une mêlée. 10 balles, vite. Et la balle était difficile à capter, mais bon, il s'est laissé surprendre par le dernier rebond. Et malheureusement, il a fait un avant qui va, nous l'espérons, profiter à cette équipe de Mirepoix bon. Qui, pour la première fois, revient dans les 22 mètres. Essayons de construire quelque chose autour de cette mêlée. Peut-être un moyeu large, je pense. Je pense, parce que les trois quarts sont vraiment dans profondeur. Avec l'arrière intercalé. Avec Carbonneau là-bas en troisième centre. Bon, on va voir si cette ligne de trois quarts est à la hauteur de l'événement. Balle introduite par Valette. Par Loïc Valette. Voilà, on ne bouge pas. Très très bonne mêlée. Balle à Valette. Valette pour Lousteau. Oh putain! Et c'est dommage. Il faut pas. C'est dommage. Ah, dommage. L'action était pas mal, mais. Il est arrivé trop tôt. Oui, on a récupéré quand même du côté de Mirepoix. L'arbitre n'a pas signalé en avant. Il me semblait bien qu'il y avait un avant, mais la balle avait dû aller en arrière. Allez, encore le petit doumé d'ouverture mirapicien pour Dorian Lousteau. Allez, on repart. Une bonne progression. Goupil, le pilier. De Goupil. Allez, on n'est pas très loin des poteaux. On va encore relancer. Là aussi, ça a été difficile. On retourne chez soi avec pour Valette. Valette qui est pris la balle pour la troisième ligne. On est dans les pieds du pack. Balle pour un drop contré. Aïe. Attention, heureusement que Loïc Lousteau a récupéré ce ballon et tape. C'était Carbonneau. Et on est revenu. Le drop était tentable, mais il n'était pas dans de bonnes conditions. Pas dans de bonnes conditions. Et puis connaissant, bon, sans le discriminer, il est pas assez vif, il est un peu lent dans ses. Et il évite. La montée défensive se fait bien, il se fait souvent contrer. C'est peut-être son truc. Mais là, il a voulu tenter, bon, pourquoi pas. Hein. Il a récupéré le ballon, donc il s'est racheté. C'est très bien racheté. On se retrouve chez eux maintenant, à nous de. Allez, mais là, il faut trouver un contre en touche. Il va falloir qu'ils analysent leur saut en touche et essayer de mettre. Parce qu'on en a quand même qui sortaient, mais. Pour le moment, on les laisse sauter, c'est sûr qu'on va leur faciliter la tâche. Pour le moment, ils sont très très bien organisés, les Rouges. Et Mirepoix n'a pas pu les contrer. Ils ont deux points chauds devant et en fond, là, surtout. Là, il faut mettre quelqu'un qui rivalise, sinon. Ah, ça va se faire. Le match commence. Oui. 16 minutes. Après, il faut qu'ils prennent confiance. Hein. Bon, il n'y a pas eu de touche non plus pour Mirepoix. C'est la première fois qu'on vient là, pour ainsi dire. On vient dans les 15 mètres. Hein. Oui, là, on n'est pas très loin. Bon, maintenant, le lancer pour eux, donc c'est ça. Allez. Ça va encore être. Le lancer encore pour Pierre Cher. Une touche défensive. Alors on essaie de contrer. Non, il n'y a pas moyen. Cette très très bonne prise de balle. Là, il le voit, c'est toujours sur le 4. Il faut qu'à un moment, il cherche une solution. C'est Jean-François Val qui a pris le ballon là. Mais oui, allez, on progresse. On progresse. C'est ça. Là, ils font vraiment souffrir Mirepoix. Ouais, énormément. Derrière, une bonne chandelle. Carbonneau à la sauter et récupération. Il y en a avant. Et le numéro 7, Montréjolais, Alex Marty, a bien repris le ballon devant son compère qui avait réussi à gêner Carbonneau sur cette remarquable chandelle. Allez, le match s'équilibre un petit peu. Les Mirapiciens sont encore à 14 pour à peu près 3 minutes. Puisque le carton blanc était donné vers la 10e minute. Donc encore 2 ou 3 petites minutes et on sera de nouveau au complet du côté des Bleus. La mêlée avec une bonne mêlée là pour Julien, pour Loïc Valette. On a perdu le ballon. On est en difficulté avec. Et l'arbitre donne une pénalité. Ah. Et c'est-à-dire le talonnage, monsieur le Tartini accuse le talonneur ou le pilier de Montréjo d'avoir talonné à la main.
Et ce qui est strictement interdit est je donc... Pense pas, je pense qu'il a mis la jambe avant le... Oui, c'est à la main. Selon son geste, oui. C'est un talonnage à la main, alors on va voir. Il aurait un pilier peut-être plutôt. Parce que peut-être. Lui, les prix, oui, c'est certain. Les prix d'un... Et c'est notre ami Anthony Calero. Cette fois-ci, il est très loin. Il a essayé de nous passer à réduire le score. Pardon, Anthony Carbono, effectivement. Il est 40 mètres sur la ligne des 7 mètres là-bas. Un coup de pied difficile, mais je viens de regarder... Mais pas impossible pour lui. Non. Le vent est légèrement à l'avantage des joueurs de demi-repoids. Je regardais le drapeau de touche de l'arbitre et il est légèrement favorable. Allez, de ces 40 mètres, la pénalité est d'Anthony Carbono qui prend son temps, qui est très concentré sur son affaire. Il y a Bertrand qui est rentré à la place de Chouvet. On a fait rentrer déjà du monde. Allez. Pénalité va être elle peu, est courte. Elle va être courte. Elle est dommage. Elle est courte et elle est devant. On va se dégager très rapidement. Ouh là là. Ah, c'est un ballon de contre-attaque. Hein. Allez, dessous le petit demi d'ouverture de mi-repas qui fait le trou, qui a fait une bonne brèche, qui rentre dans les 22. Il faudrait que du soutien. Le soutien arrive avec de suite là, là les trois quarts avec là, le capitaine. Voilà, on ça envoie commence à jeu. Se réveiller. Oui, et avec là-bas peut-être une bonne opportunité. Il y avait peut-être quelque chose à faire avec trois joueurs démarqués côté Mirapicien. Avec, on repart au petit côté avec Tisseir qui est pris, mais on est sur la ligne, pratiquement aux 5 mètres là-bas, de la ligne de but de Montrégeau avec un bon départ. Bonne... Oh là là, attention. Zanatan. Attention, que va dire monsieur Tartini, j'ai bien l'impression que Montrégeau va subir ses foudres avec ce carton jaune qui se profile et ce plaquage dangereux. On est au ras, la mi-repoix joue très, très intéressant. Oui, il a tapé le ballon, le gars. Et on va revenir à la faute. Il y a deux fautes. On va revenir à la faute là-bas. Ouais. Alors, que va faire M. Tartini? Est-ce qu'il va sanctionner plus lourdement cette équipe de Montrégeau? De ce carton, donc il a joué. Le carton blanc va rentrer. Ça y est, le carton blanc rentre. Oui, ça fait 10 minutes, effectivement. Donc, le retour de Calero qui va apporter. Défensivement, ça. Et l'arbitre n'a pris aucune sanction, aucune pénalité pour. Alors, choisir la mêlée. On a choisi la mêlée, je pense bien. Ah oui, je pense, oui. Oui, à la touche. Mais il ne faut pas perdre le ballon. Sinon, on ne va pas le perdre, on est à 8 contre 8. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ah, le tee. Ah, il va le taper. Ah, il faut revenir, il faut essayer de marquer des points. Ouais, moi je voudrais tenter la première touche, on n'est pas loin, on l'a mêlé. Oui. Je pense que c'est jouable, il n'y a quand même que 20 minutes de jeu, on peut tenter ce genre de choses. Oui, mais... À la fin, quand les points manquent, quand on a une opportunité, on sait la valeur de Carbono comme buteur. Bon, il a raté celle de 40 mètres en coin tout à l'heure. Moi, je suis un partisan de prendre les points. Bon, quand on ne peut pas faire autrement, on est obligé de revenir au score. On essaie de marquer des essais, mais il y a 3 points et il faut les prendre. Mais là, c'est rien ce qu'ils ont décidé. Ah non, je ne sais pas s'ils ont décidé la touche ou la mêlée. Je pense que c'est la mêlée. C'est la mêlée qui a été choisie. C'est la mêlée, oui. Avec un bon départ et peut-être à 5 mètres en ligne, Lousteau ou un autre peut rentrer parce qu'il est assez bon dans ce genre de situation. Peut-être le match dernier contre Chaz, il nous en a marqué un sur un départ de 8. Après que voilà, un départ bon, de Cédric qui s'est intéressant. Qu'il soit bien construit, que le gars ne fasse pas le pas de trop, qu'il donne dans les. Dans le timing, comme on dit. Voilà. Allez, cette mêlée. Ça devrait le faire, mais il ne faut pas perdre le ballon. Non, on l'a bien conservé avec une bonne... Je n'ai pas fait ça, mais bon. C'est Andro et en avant. C'est Zanata. C'est Andro qui a fait... c'est le capitaine. Il est là, Andro. C'est Zanata. Ah, c'était Zanata. C'est le 12. Ah ouais, un peu gourmand. Eh oui. Et là, il ne faut pas être gourmand, justement. Eh oui. Et donc là, c'est une mêlée, mais avec maintenant introduction pour Julien Daval. Allez, sur les poteaux.
On a des opportunités sur les contres, sur les dégagements. On peut contrer ce demi d'ouverture qui prend son temps. Florian Lénion, deux ou trois fois, il a échappé belle. Voilà, la balle est bien travaillée par le pack de Montrégeau. On va certainement essayer de trouver en fond de... Voilà, non, c'est le demi d'ouverture de le mêlé qui a pris l'affaire en main et on va repartir. Allez, peut-être là une opportunité encore pour le capitaine Mirapistien. Hein. Balle pour... Sur là. Il l'a sorti. Allez, on repart au ras. Mais on est très très bien organisé du côté, mais pénalité. Ah. L'arbitre va accepter le contest. Effectivement, il y avait un très bon ruck. Il l'a gardé. Et il a gardé. Et le contest est accepté par M. Tartini. Et c'est tout à fait logique. Il manque de soutien sur le porteur du ballon du côté de Mirepoix. Et logiquement, Montrégeau va pouvoir se dégager. Après ce très bon temps fort pour Mirepoix, et c'est une touche aux abords des 50 mètres dans le camp de Mirepoix, avec nouveau lancé pour les joueurs de la Haute-Garonne qui viennent très tranquillement sur les regroupements. On sent une équipe mûrée quand même. Il y en a quelques-uns devant là, le 4 là, il n'est pas tout jeune non plus. Tout à fait. Allez, Pierre Cher pour une nouvelle touche. Est-ce qu'on va réussir à décrypter les combinaisons de Montrégeau? Il faut sauter de balle là. Impossible à contrer. Pourtant, on a essayé là. Voilà, on s'organise encore. Là, c'est voilà, une bonne progression de Mirepoix devant nous. Là. Voilà. Parce que... Allez, on a bien fait reculer, mais on a bien conservé le ballon aussi pour Montrégeau. Voilà, bonne défense de Mirepoix. On fait reculer, voilà, un bon ruck, mais l'arbitre estime que c'est sur le côté qu'on est venu. Et donc, oula. Le joueur de Mirepoix a perdu son maillot. Et l'arbitre n'a pas accepté le contre-ruck. C'est un contre-ruck qui est venu sur le côté. C'est ce qu'il explique au capitaine Hugues Andro. Et donc, Montrégeau va de nouveau revenir dans le camp de Mirepoix. Et attention, c'est une nouvelle touche. Attention, un nouveau groupé pénétrant. 25 minutes de jeu et le score de 10 à 3 toujours pour cette équipe de Montrégeau. Et cet essai collectif. C'est éternel recommencement et ça arrive. Allez, la touche. Allez, mais la touche est bonne. On a essayé là, on comprend vite que c'est le 6 qui va sauter en première main, mais c'est tellement bien fait qu'il n'y a pas de problème. Voilà encore une fois. Ah, il se déplace bien. Elle était peut-être pas droite, mais l'arbitre n'en a pas jugé. Il se déplace bien. Voilà, là encore se grouper. On a du mal à le défendre. Balle en fin de ruck, très tranquillement, on le voit, le Cher, le talonneur, était à son... Mais mauvaise passe, heureusement. Il faut monter très vite. Allez, un bon pressing défensif, on a lâché le ballon. Attention, la balle a été reprise par Mirepoix. Est-ce qu'on l'a conservé? Non, on l'avait un instant, mais ils l'ont armé. Bonne défense, là, de Mirepoix. Oui. Ils ont compris. Je dis qu'il faut aller chercher très haut, parce que sinon... Un seul... Attaquatif de drop. Oui, pas mal. Il est pas mal. Non, il est mais il semble à côté. Largement à côté. Et la balle va mourir dans l'embut. Et Carbonneau va pouvoir se dégager. Avec donc une remise en jeu aux 22 mètres. Attention. Oula. Très puissant ce numéro 6, Jérémy Conque. Et qui vient embêter tout le monde. Il est venu empêcher qu'on joue très vite. Et il a l'air intelligent et savoir ce qu'il fait. Voilà, long coup de pied. Voilà, il faut aller chercher, monter très haut. On est à la reprise pour Baquet et Chandel. Hein, on se complique pas côté rouge. Hein. Chandel et on suit. Et voilà, c'est tranquille, bonne récupération. Et bonne percée. Très très bien joué par Lousteau.
avec le talon, peut-être une main, mais l'arbitre, il l'a vu, pénalité. Mais vous ne disputez pas le ballon. C'est un en avant volontaire, et donc je pense que là... Ah, Carbono peut-être ? Non, on va venir en touche. Je pense pas qu'il ait dans les jambes les 45 mètres. Voilà, il va essayer de trouver la touche. Anthony Carbono, et c'est ce qu'il fait avec une bonne dextérité. Donc on revient dans les 22 mètres avec une bonne domination quand même de mirepoix depuis une bonne dizaine de minutes, mais c'est toujours ce problème des groupés pénétrants des rouges et noirs qui chaque fois qu'ils viennent dans le camp bleu, eh bien, se montrent très très dangereux, mais dommage parce que souvent le ballon peut porter un peu trop loin, la dernière passe n'est pas assurée, et ce qui ralentit un peu le... Belle touche avec un très très bon départ de Tisseira qui est au sol, toujours pour son demi d'ouverture avec une bonne action là et une bonne percée de Zanata. On est dans les 5 mètres encore avec une bonne progression encore. Il faudrait marquer là du côté des Bleus pour espérer quelque chose. Voilà, on revient plein fer, on est pratiquement sous les poteaux Montréjolais. On repart encore petit côté. Mais le soutien, la défense est bien organisée sur la largeur. On ne se confine pas dans les rucks, et ce qui leur permet de défendre. Voilà, on part encore dans le. C'est pas loin, c'est pas loin, ça chauffe. Que dit l'arbitre ? Mais on n'arrive pas. Et c'est un en avant, encore demi-repoids. Sur la ligne de but. Hein. Ah, c'est toujours ça. Sur la ligne de on n'arrive pas à concrétiser, un peu trop d'excès de gourmandise, j'ai l'impression. C'est possible. À l'approche de la ligne, tout le monde veut y aller et souvent le soutien qui est tout là, il faudrait s'en servir. Mais le problème, c'est que je vous dis, les rouges ne vont pas contester. Ils sont sur la largeur et quand mirepoix sort le ballon, ils sont en difficulté vu le nombre important de défenseurs sur la largeur du terrain. Allez, un nouvel arrêt là, avec encore un blessé du côté de Montrejo. On peut passer au water, ma chaîne là, 5 minutes de water, qui s'appelle, hein, pour boire. Pour le moment... Il y a un blessé rouge. Il y a un blessé là-bas. Non, je pensais que c'était le... La pause pour boire de l'eau, mais c'est à la 20e minute que ça doit se produire et on est à la 30e. Ouais. 30 minutes de jeu, 10-3. Il n'a peut-être pas passé. Et toujours, il fait suffisamment frais pour qu'on n'en arrive pas là encore aujourd'hui. Allez, mêlée, 5 mètres de l'embut Montréjolais, avec toujours l'introduction pour Julien Daval. La mêlée, la solide mêlée Montréjolaise qui n'est pas en difficulté, alors que là, on l'a contesté. Le ballon est sorti, voilà. La balle était. Elle était pourrie, on n'a pas su la récupérer. Non, il n'a pas réussi à la récupérer, c'est fort dommage. Parce que allez, on va dégager faire. Toujours Daval qui charge. Il faut partir sur cette touche. Hein, allez, il faut repartir. On a vu l'excellent lancer tout à l'heure de Mathieu Roman qui a trouvé en fin de touche ses flanqueurs. Et c'est peut-être de là que peut partir la solution. Et espérons qu'avant la mi-temps, eh bien. Les Ariégeois reviennent au score. Certes, depuis une bonne dizaine de minutes, ils ne sont pas mis en difficulté, même c'est eux qui contrôlent le match. Mais c'est... Aïe. La récupère quand même. Et on la récupère difficilement, mais on l'a récupérée avec un bon départ au rat. Attention, il faut venir. Mais toujours pareil. Le soutien est très très tardif. Et logiquement, M. Tartini donne une pénalité. On les laisse venir, on les laisse partir. Et le second rideau plaque. Le contest est valable. Voilà, on va se dégager. Il faudra qu'ils en parlent à la mi-temps parce que... Très bonne touche. Très très bonne touche trouvée par le buteur Montréjolais. C'est le demi d'ouverture Lignot, Florian Lignot qui ramène ses troupes dans les 30 mètres. Il y avait un bon moment qu'on était cantonné dans les 22 de Montrejo et ça va faire du bien
au rouge et noir de venir. Sur deux occasions, on n'a pas si marqué. Même trois. Hein. Payer cash après. Ah, il va falloir. Deuxième mi-temps, il faut voir comment on va aborder cette deuxième mi-temps. Comment Bon Réjo, l'état de fraîcheur, les deux équipes aussi. Voilà, là. Là, 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 allez, coupier. On l'a bien récupéré, mais il y en a pas. Oh, mince. Je sais pas si elle est en avant, hein. On dirait qu'elle va en arrière. Hein. Non, non, c'est sur la récupération. Il est passé. Hein. Oui, mais malheureusement, le dernier relayeur a fait un en avant. Oui. C'était limite. Allez, on va repartir sur une mêlée, mais M. Tartini était quand même bien placé, je pense qu'il avait signalé cet en avant. Non, mais il aurait dû attaquer le ballon plus franchement. On sent qu'il a hésité, et c'est ce qui a occasionné cet en avant. C'est la première mauvaise touche, premier mauvais lancé pour Pierre Cher, le talonneur de Montrégio. Et malheureusement, on n'a pas pu en profiter et ça aurait pu faire carreau, car s'il n'y a pas cet en avant, il y avait un bon départ des joueurs bleus. Allez, on va petit côté avec toujours Lignot. Lignot, le numéro, l'ailier en arrière, dit monsieur l'arbitre. Et la balle est toujours. Elle est bien contestée par Mirepoix. Mais bien sûr, le contexte est indiscutable avec. Hop là! Attention, est-ce qu'il va sanctionner un petit peu plus? Non, tout va bien. Pas de frayeur. Alors qu'il y a un tout petit. Mais là, j'ai rien vu, hein. Non, il n'y a rien eu. Il y a eu juste. Il y a eu un contact, il y a eu un choc et. Voilà. L'arbitre leur demande de se retirer. On va soigner le numéro 8 de Montrégio. C'est pas bien grave. C'est Jean-François Voile. Je pense que c'est. Il cherche à pénaliser un peu. Ah non, mais ça fait partie du. Il y a eu une faute. C'est indiscutable, mais je ne pense pas que la faute soit pénalisée. Il y avait une faute bien plus grave avant pour le joueur de Montrégio qui s'est fait un peu punir. Allez, on va attendre la décision entre les deux juges de ce match. Voilà, on va appeler certainement les deux capitaines pour faire des remontrances. Et je pense qu'on va récupérer une pénalité du côté de Mirepoix. Ah voilà, on appelle effectivement le capitaine Julien Daval. Allez, les cartons, allez. Non. Si, il y a des cartons, mais je ne sais pas quoi. Carton. Ah là, bon. Carton rouge pour le numéro 13 de Mirepoix. Et le capitaine Mirepassien. Alors là, moi, j'aimerais revoir l'action. Là, c'est coup dur, hein, pour Mirepoix. Je n'ai pas vu ce qu'avait fait. Là, il a appuyé le match. Je n'ai pas vu ce qu'avait fait le capitaine ariégeois. C'est dommage. Je n'ai rien vu non plus. Allez, on va le regarder. Alors, on va regarder le ralenti. Ah oui. Pénalité. Il prend le ballon. Départ. Il percute. Là, il est soulevé. Et il arrive là. Rien du tout, là. Il y a un geste. Hein. Par terre, il y a un coup de poing. Je n'ai pas vu. C'est un coup de poing par terre. Hein. Mais vraiment, je trouve la sanction vraiment très sévère. Un coup de poing. Un coup de poing du numéro 13 de Mirepoix par terre. Mais moi, j'ai cru que c'est avec le pied qui l'a touché. Non. Quand il est, sur le placage, quand il a été renversé. J'ai vu plutôt. Si vous voulez, un coup de poing, maintenant, c'est carton rouge. Donc, monsieur Lignot, monsieur Tartini a appliqué la stricte règle. Il n'a pas. Alors qu'il y avait quand même une faute assez sévère sur l'Ariégeois. Il a eu tort de vouloir se venger et malheureusement. Je sais pas. Le match là risque de prendre des proportions difficiles.
Parce qu'en plus, il récupère le ballon, il le joue, il est plaqué par, par des gars qui ne sont pas à 10 mètres. Et je ne comprends pas. Non, mais il a donné un coup de poing par terre. Donc, le règlement, il est comme ça. Hein. Allez, la pénalité est toujours tapée par le numéro 13. Et très bien tenté. Hein. Là, ça fait mal. Hein. C'est là, ça fait très mal. Un coup terrible pour... Quel est le score ici? Numéro 13. Et donc, le score... 13 à 3 maintenant pour cette équipe de Montrégeau. Un score c'est lui qui... sévère pour Mirepoix. Très sévère. Allez, on va voir comment vont réagir. C'est pas rédhibitoire. Hein. On a vu des équipes se... Il y a eu changement hein, devant Mirepoix. Oui, il y a eu des changements. Il y a Soulette qui rentre. Il y a Rémi Bousquet en pilier. Allez, on est allez, il faut tenter le tout pour le tout. Il n'y a rien à... Ils vont jouer au large, forcément, rien de plus. Et encore une fois... Carbonneau, il est chiant. Hein. Allez, il faut jouer le bateau, là. Allez, on est reparti. On est reparti... Qu'est-ce qu'il a sifflé encore? Ah. Aïe, 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 aïe. Maintenant, c'est l'autre arbitre de touche qui a ça devient catastrophique. C'est dommage. Alors, que va signaler l'arbitre de touche là-bas? Ben, c'est lui aussi qui... Et même le délégué qui est venu... C'est lui qui a signalé aussi, je sais pas. C'est le délégué qui est venu signaler quelque chose là, à l'arbitre. Ça va partir en brille, ça. Non, on va revenir. Ce match risque d'être haché, c'est dommage. Que va signaler Monsieur Tartini? C'est une mêlée en faveur de Mirepoix. Que signaler le délégué? On le saura plus tard. C'est un problème avec le banc de touche de Mirepoix. C'est le délégué qui est venu également avec l'arbitre de touche signaler quelque chose. On n'a pas vu ce qui s'était passé. Allez. C'est une mêlée avec introduction toujours pour Mirepoix. Et bien sûr, Loïc Valette. On sent qu'on peut passer du côté de Mirepoix, mais... Ben, je pense qu'il va falloir qu'ils jouent le bateau. Maintenant, bon, ils ont rentré le cadre. Là. Allez, une bonne action. On a... Oh non, on perd le ballon, il jette le ballon. Non, la balle est toujours pour Mirepoix avec... Non, ça va jouer le ballon, tant pis, il n'y a que ça maintenant. Hein. Alors, on repart encore. Ça y est, Soulet. Soulet là-bas sur le Résiste. Petit côté qui va mettre à disposition de son demi de mêlée avec une bonne action de Razak. La balle toujours au sommet. Voilà, on ne se confine pas. Il les embête au ras du regroupement. Voilà, bonne action de Lousteau qui va rechercher. Mais il n'y a pas de décalage là-bas. On est obligé de revenir. Aura avec Tisseira. Toujours la balle dans les pieds des Mirapistiens qui, malgré ce coup du sort, continue à jouer. On a perdu le ballon. Hein. Et le contre-ruck. Non, ça va. Alors on est reparti avec une Calero. Bonne charge de Calero. On est sous les poteaux encore une fois. Il faut le jouer. Il y a pénalité. Et monsieur. Voilà, monsieur. Avec une pénalité jouée très rapidement. Non, l'action est encore. Pour Mirepoix et que dit l'arbitre? Alors, s'il arrête chaque fois. Il y avait un avant et il est obligé de revenir à la fin. C'est dommage. Allez, mêlée, pénalité, pardon. Alors, on en arrive à la mi-temps, on est à la 41e minute. Et donc, peut-être qu'il faudrait prendre les points. Oui, j'ai l'impression que. Il faut commencer par marquer des points et puis petit à petit revenir. Alors si l'arbitre siffle cette faute-là, il aurait pu mettre un carton blanc. L'avantage, il n'y était plus, il y avait un avant d'un joueur bleu. Donc il n'y a rien à dire, mais on avait annihilé une action d'essai. Il va la taper, il va la taper. Allez, il faut la taper, il faut revenir à 7 points. Les dernières je minutes, vois rien là-bas, hein, les dernières minutes nous montrent que Mirepoix peut rivaliser même à 14 contre 15 toute la deuxième mi-temps. Voilà, la pénalité, qu'on va rien lâcher, mais voilà. Elle passe entre les poteaux et
une bonne fin pour les joueurs de Mirepoix, la 40e et cette pénalité de Carbonneau. Voilà. 13 ou 16 ? 13 à 6 à la mi-temps. Un essai, ça fait 13 ou 13. Hein. Ça fait un essai, on n'est pas loin. C'est pas, loin. C'est pas grave. À 14, ça va être. Mais bon, il y a beaucoup d'équipes qui ont gagné à 14. Hein. Mais bien sûr. Y a pas, il faut pas se... Mais il faut qu'ils jouent comme ils ont fini la première mi-temps, à mon avis. Il faut qu'ils jouent comme ça, écarter les ballons et puis essayer de trouver la brèche. Hein. Parce qu'il va falloir les faire courir. On ne les a pas fait courir, ces avant. Ah, ils ont couru quand même. On a joué avec eux. Voilà, on a 5 petites minutes de mi-temps, donc on va laisser la pub et on se retrouve sous le chaud soleil de Carbonne dans 3-4 petites minutes. You once, now tell you twice. De retour à Carbonne pour cette deuxième mi-temps de cette finale de première série avec, dont je vous le rappelle, le score de 13 pour Montrégeau, 6 pour Mirepoix. Mais malheureusement, les Mirapestiens vont accéder à cette deuxième mi-temps à 14 avec ce carton rouge pour leur capitaine. Voilà, c'est reparti avec de suite une bonne récupération de Mirepoix avec un bon départ dans l'axe profond par le numéro 8 et nouvelle et faute. Est-ce que l'arbitre va la... Oui, il l'a signalé. L'arbitre de touche a vu le plaquage haut. La balle. Alors, plaquage haut. Ah, on vient discuter du côté du capitaine Mirapicien, mais du côté du capitaine Montréal-Jolet. Mais l'arbitre de touche a effectivement vu le plaquage un tout petit peu haut du joueur de Montréal. Et donc, il va certainement sanctionner cette équipe de Montrégeau. Je ne pense pas que ça vaille un carton quelconque, mais la pénalité est liée. Et Monsieur Tartini ne l'avait pas vu. Voilà. Ah oui, c'est le 7. C'est le numéro 7 qui a fait ce plaquage haut. Alex Marty. Et... Non, non, il le sanctionne simplement. C'est bien mal à voir là. Oui, là, oui, mais là. C'est fait. Hein. Non, c'était auparavant.
C'est un package, mais qui ne valait pas un carton jaune ou un carton blanc quelconque. La pénalité est liée, le plaquage était au-dessus des épaules. On en reste là et c'est une décision tout à fait logique. Monsieur Tartini, lui, n'avait pas vu ce petit. C'est une main qui se baladait au-dessus des épaules du numéro 8 Tisseira. Et donc, pénalité 40 mètres sur la ligne des 15 mètres. Pénalité qui va être tentée par Anthony Carbono, qui va essayer de ramener ses troupes à une distance moins importante, 13-9, ce serait intéressant. Et quand même, il faut bien l'avouer, mérité pour cette équipe bleue qui fait souffrir cette équipe de Montrégeau, qui joue très tranquillement, qui ne fait pas de grosses envolées, qui se dégage dès qu'elle le peut, mais dès qu'elle arrive avec ses groupés pénétrants, elle met en difficulté l'équipe de Mirepoix. C'est vraiment leur point fort. Ah, la pénalité n'est pas encore réussie. Elle est... passer là-bas sur la droite des potées au Montrégeolais. Il l'a prise trop en dessous et il est parti à torpedo. Mais je pense que au-delà des 40 mètres, eh bien, les Mirepoix devraient maintenant venir faire des touches et abandonner et prendre simplement les pénalités qui sont aux abords des 30 mètres. Carbono n'a l'air de pas avoir les jambes. Voilà, long dégagement. On est pour Carbono encore qui va. Voilà, qui a vu que le côté était dégarni là-bas, le côté gauche de la défense de Montrégeau. Et sagement, il vient ramener ses coéquipiers, encore une fois dans les 22, au Garonnais. Mais c'est toujours le problème avec ces touches, cet excellent alignement de l'équipe de Montrégeau, qui n'a perdu qu'en tout et pour tout qu'une... une munition et une autre tout petit peu pourri, c'est tout. Après, ça a été du grand art. La touche, toujours, j'ai l'impression que c'est toujours Cher qui est avec nous. Il n'est pas encore été remplacé alors qu'on sait qu'on fait une mi-temps. Voilà. On a perdu du temps. Ah, ouais, mais très très bonne prise à deux mains. On s'est bien organisé du côté de Mirepoix. On ne progresse pas trop et on ne s'embête pas. Le demi de mêlée derrière. Carbono récupère, allez, peut-être en venant ici sur le côté avec son ailier. Non, mais pas dedans. Il va très très bien, il met à disposition ce que va pas faire l'arbitre. Qu'on revienne toujours dans le trafic. L'arbitre ne dit rien. C'était intéressant ce qu'il a fait avec un bon départ. Voilà une bonne action là-bas pour Mirepoix avec Zanata qui est repris dans les 10 mètres. Allez, les Mirapiciens sont revenus avec des intentions louables là. Et ils jouent très très bien avec une bonne progression. On est pris dans la défense là de Montrégeau, mais la balle est toujours à disposition de l'arbitre. Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore? Qu'a vu l'arbitre? Ben oui, je vois, il lève le bras, il y a encore... Que s'est-il passé encore? On sait rien. Alors là, je ne l'ai pas vu parce que il revient à une faute antérieure et on voit qu'il y a un blessé là-bas. L'arbitre de touche. Un pilier, ouais. L'arbitre de touche va signaler. Que va-t-il signaler? Est-ce qu'il y a eu une faute après le plaquage des Montrégeolais? Est-ce qu'on s'est essuyé un tout petit peu du côté de Mirepoix? On va le voir. Un changement. Un nettoyage peut-être un peu appuyé. Allez, on va attendre la décision si c'est une pénalité. Ce qui, pour le moment, il a levé le bras en direction de Montrégeau. Il s'éloigne. Il ne veut pas qu'il s'approche du joueur. Ou alors il a sur peut-être arrêté le match. Sur les côtes test, il ne veut pas que. Non, je pense qu'il a arrêté le match parce qu'il a vu la blessure du joueur de Montrégeau. Voilà. Oui, c'est ça. Il n'avait pas pris de décision, mais il a eu très peur pour le joueur de Montrégeau. Donc il a arrêté le match pour qu'on vienne le soigner, effectivement. Je ne sais pas si c'est en communication. Les arbitres touchent avec lui parce que. Non. Non, c'est pas comme un top 14. Non, pas. Pas encore. Bon, ben. Allez, la mêlée. On est sous les poteaux. Mêlée pour qui? Mirepoix. Bon, là. Mirepoix, bien sûr. C'est maintenant, hein. Allez, il faut qu'il. Il faut bien construire ce départ et puis. Avec peut-être un départ pas, de Cédric Tisseira. Et pas l'excès de. Si tu veux, il faut que le ballon vienne ici. Allez, la balle, elle est talonnée, ça y est. Un grand côté encore avec. Lousteau qui. Lousteau. Crochette qui est.
pris, qui est bien pris, mais il a mis à disposition, il y a peut-être quelque chose à jouer avec toujours le numéro 8, avec là-bas pour Rosy qui est sur la ligne de but. On n'a pas perdu le ballon, la balle est encore pour Mirepoix. Est ressortie avec un bon départ de Soulet. Soulet qui est pris, on repart encore grand côté. Ah, Lénio, et pénalité. Pénalité face au poteau. Et jouer très rapidement. Il laisse... Monsieur Tartini n'a pas voulu que Lousteau joue vite la pénalité. Et là, par contre, bien, on va donner la pénalité. Mais là, il va donner un carton blanc ou un carton jaune à un joueur de Morijo. Sanction logique. Là, il ne faut pas crier à roue sur la vitre. Voilà, carton blanc pour une faute délibérée. Les deux équipes vont être maintenant à 14 pendant 10 minutes. Voilà, 47e minute et carton pour le numéro 3. Ou le non, c'est le numéro 4. C'est le numéro 4 de Morijo. Donc les deux équipes sont à nouveau à 14 ensemble. Et là, par contre, il faudrait que... Ah, mais Carbono... c'est Lousteau qui va tenter là. Carbono a décidé de ne pas la buter. Moi, face au poteau, il aurait pu se remettre en confiance. Mais bon, son collègue Lousteau ne se fait pas prier. Donc, à la 48e minute... Et 13 à 9, Mirepoix est toujours dans le match malgré ce coup du sort de la 37e minute. Et même on peut le dire que depuis le début de la deuxième mi-temps, eh bien les Ariégeois dominent les Haut-Garonnais. Mais ne concrétisent pas malheureusement. Mais ils ont concrétisé, qui continue dans ce sens-là, je pense que ça peut passer. Mais ils ont mis 3 points. Il faut laisser là. Allez, 13 à 9. Et on est revenu dans les cordes avec encore un bon départ. Très très bon match de Tisseir qui se montre à son avantage avec. Voilà. Il faut jouer un peu comme Montrégeau. Allez, on est dessous avec. Avec Cambours qui est pris. Récupération. Non, on n'a pas arraché le ballon, mais il s'en est fallu de peu. La balle à disposition. Du capitaine Daval. Le match est lancé et les deux équipes se livrent. On voit de très très bons caramels, mais toujours pareil, toujours. Il n'y a personne là. C'est coup de pied. Allez, balle récupérée par Tisseir. Tisseir qui repart, qui se débarrasse de son vis-à-vis. Une bataille entre numéro 8. Balle dans les pieds des. Du demi de mêlée et Legno va dégager Lousteau, ce qu'il fait un peu sous la pression. Pardon, c'est Lousteau un peu sous la pression, oui. Qui a bien dégagé, qui a trouvé une touche aux abords des 30 mètres, mais on va voir, il y a longtemps que les Montréjolais n'étaient pas venus sur une touche dans le camp de Mirepoix et on va voir si c'est la même affaire qu'en première mi-temps, mais j'ai l'impression que cette équipe de Montrégeau souffre de la chaleur. Ils ne mettent pas de rythme. On a l'impression qu'ils ont peur de craquer physiquement dans ces dernières 30 minutes de cette deuxième mi-temps. Allez, voilà, on fait rentrer du lourd avec le numéro 18, Marc Sub. Solide gabarit. Ah, là, on a perdu le ballon. Et pas de ballon. Sans ballon, on ne peut pas jouer. Personne n'a des ballons. Il va falloir faire ouvrir. Voilà, ça y est, on en a trouvé un. Sinon, on va faire ouvrir un magasin de ballons. Oui. Voilà. On sent les joueurs quand même éprouvés par la chaleur. Hein. Parce que. Cette première chaleur fait du mal à tout le monde. Allez, la touche avec. Il fait pas là qu'il faut sauter. Bon contest, mais on s'est bien mis en défense. Voilà. Allez, on progresse. Toujours ces groupés pénétrants de qualité. Là, vraiment, c'est leur grande force. Et là, ils sont légèrement contrariés, mais ils ne perdent pas le ballon.
Là, on part en crabe. Oh, yeah, 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 et un bon départ, petit côté, avec un bon contest de demi-repoix. Très, très bon contest. Et voilà l'erreur du joueur de Montrégeau qui s'est désolidarisé, qui a voulu partir. Il s'est isolé. Et il y a eu ce contest. Et c'est le numéro 7. Le numéro 7, Alex Marty, qui était parti dans le petit côté, croyant surprendre la défense mirapicienne. Malheureusement, il s'est fait coffrer et sur le contest, Mirepoix a récupéré le ballon et a pu se dégager. Et on est revenu aux 40 mètres avec une touche, avec cette fois-ci un lancé des joueurs de Mirepoix. Alors que le talonneur Pierre Cher vient de sortir et qu'il est remplacé par le numéro 16, Cédric Jean-Jean. Il y a également la rentrée de Collet Ardot du côté de Montrégeau. Il est là le 2, il n'est pas sorti. Alors le 2 n'est pas sorti. Non, il est là, envolé. Oui, le 2 n'est pas sorti, mais alors c'est. Oui, c'est les piliers. C'est un ailier qui est sorti. C'est les piliers qui sont sortis. Ah oui, mais. Non, mais c'est le pilier qui est sorti. Allez. Le lancer pour Roman. Ouais. Voilà. Ah, oh, elle l'a récupéré de justesse, mais la balle n'était pas droite. Ah là 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 là. La balle n'était pas droite. Mauvais lancer pour Roman et c'est encore une munition perdu. De perdu. Oui. 52e minute et ce score serré de 13 à 9. Les trois pénalités réussies par Carbonneau. Donc deux par Carbonneau et une par Lousteau. Une par Lousteau. Allez, la balle dans les pieds des troisième ligne, un bon départ avec un avant et une récupération. Allez, il y a peut-être un coup à jouer, mais il y a un avant demi-repoix sur le contre, sur le plaquage. Voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que il y avait quelque chose à faire. On avait bien contré cette attaque. Et il s'en est encore fallu de peu que les joueurs de Mirepoix n'interceptent ce ballon. Malheureusement, sur le plaquage, il y a eu un petit en avant. Et donc, on va revenir à une nouvelle mêlée. Et toujours une introduction par le capitaine Montréjolais qui dirige à merveille son équipe, Julien Dava, qui est à son avantage. Et qui, pour le moment, eh bien, fait tout pour... que tout se passe bien pour son équipe. La mêlée, toujours Daval pour ses... Ah, il y a un nouveau remplacement également avec une bonne action et bon plaquage. Très très bon plaquage. Est-ce qu'on a récupéré le ballon? Oula, il y a... et une interception pour le numéro 19 de Razak Trata qui s'en va, qui est pris sur la ligne des 22. Heureusement que c'était un attaquant, un avant. Sinon, eh bien, on aurait pu avoir un essai casquette pour Montrégeau, il faut bien l'avouer. Et ça n'est fallu de peu, il est repris au 22 mètres. Et immédiatement, on va se dégager. Elle est bonne là-bas. Allez, là-bas, Carbonneau qui va récupérer ce ballon. Il est dans ses 40 mètres, il va remonter le ballon avec un petit coup de pied pour lui-même. Est-ce qu'il va le récupérer ou non? Bonne interception de l'ailier de Montrégeau là-bas, mais pénalité. On est venu encore sur le côté et donc logiquement, voilà, on n'est pas très content du côté de Montrégeau. Même pas 10 mètres de plus. Eh bien, il faut bien avouer qu'actuellement, Montrégeau déjoue complètement, puisque ce que je vous disais sur l'expulsion du Mirapicien, eh bien, cette équipe de Mirepoix s'est resserrée, entre eux ils se sont resserrés et ils réussissent à contrer merveilleusement cette équipe de Montrégeau. 13-9, balle de 13-12, puisque on a depuis le début les trois pénalités. Les pénalités ont été marquées, je vous le rappelle, par Calero deux fois et par le demi d'ouverture. Et c'est lui encore qui va tenter cette pénalité. C'est je ne sais pas trop si c'est sa distance. C'est Dorian Lousteau, la balle qui s'élève et qui passe entre les poteaux.
Ça va le faire, ça va le faire. 56e minute, nouvelle pénalité pour Mirepoix et par Lousteau qui ramène les siens à 13 à 12. Cette équipe de Montrégeau déjoue et il me semble que c'est la chaleur qui gêne aux entournures ce pack bien plus lourd que le pack Mirapifien. Et cette équipe donc est en difficulté. Vous voyez, le match est loin d'être fini. Un bon renvoi dessous, le numéro 6 de Mirepoix. Voilà, qui n'hésite pas à aller au contact. Benoît Calero, qu'on voit beaucoup également. Benoît Calero qui met à disposition de son demi de mêlée. Et petit coup de pied encore pour Lousteau, que c'est très bien joué. Il est, bon, il est très très bien joué. Et encore une fois que l'arbitre ne dirait, mais la balle est pour les trois quarts de Mirepoix qui déroule là-bas jusque pratiquement aux 22 mètres. Balle d'or, on va repartir grand côté. Il y a peut-être un coup à jouer. Malheureusement, Cédric Bertrand est venu dans les trois quarts et s'est fait, malheureusement, a fait un en avant. À belle action de Mirepoix. Mirepoix qui est en train de prendre le match à son compte. Et domine, c'est indéniable. Et là, on vient de voir une très très belle action et toujours amenée par Dorian Lousteau, qui n'est pas loin d'être l'un des meilleurs dans l'équipe de Mirepoix, avec, il ne faut pas l'oublier, Cédric Tisseyre qui se montre également à son avantage. Et toujours ces arrêts de jeu, là on voit que les joueurs souffrent énormément et boivent beaucoup, je peux vous dire qu'il fait chaud, car nous, dans les tribunes, dans les petites tribunes de Carbone, nous avons également très très chaud. Allez, monsieur Tartini va faire... La sortie de Rivelange remplacée par Grenet. Alors, Rivelange qui œuvrait à La Roquedolme il n'y a pas très longtemps. Et qui donc va sortir, Robin Rivelange, et qui est donc remplacé par Grenet. Michael Grenet. Allez, la mêlée pour cette équipe de Montrégeau. Et j'ai l'impression que les joueurs de Montrégeau sont tout à fait inquiets maintenant. Ils ont une bonne période en marquant cet essai, mais depuis, et depuis ce carton rouge pour le capitaine Andro, eh bien, souffre face à cette équipe de Mirepoix. La mêlée, allez, on demande au numéro 8 Tisseyre de se mettre en mêlée. Mêlée pour l'introduction de Julien Daval. Et voilà, voilà, on n'a pas le droit de pousser plus d'un mètre 50, donc tout va bien. Et on se dégage. On est inquiet. On ne sait pas quoi que ce soit. C'est peut-être l'équipe qui va vouloir jouer. Voilà. Les joueurs de Mirepoix, à leur tour, dégagent avec le numéro 12 qui récupère pour Montrégeau dans l'angle mort. Il y a là-bas Carbonneau. Carbonneau qui va dégager son camp. Je pense qu'il fallait qu'il trouve une touche, mais là, que dit l'arbitre? En arrière, oui, c'est en arrière, c'est sans problème. Allez, le numéro 12, Théo qui est pris, avec le numéro 9 en action avec Julien Daval. Daval qui va au sol, la balle derrière. Voilà, on va encore dégager. Voilà. Ça fait plusieurs fois qu'on est au ras de se faire contrer. Ce demi d'ouverture, Florian Legnaud est en... Lousteau. C'est léger pour Legnaud qui, plusieurs fois, a manqué de se faire contrer. Il s'en est fallu de très très peu. Et se pourrait qu'avant la fin de cette rencontre, eh bien, un contre lui arrive sur... le coin des oreilles. Voilà, tout à l'heure on l'avait évoqué, oui, c'est la 20e minute water, et c'est l'arrêt au stand. On va recharger les batteries à nos. Avec donc logiquement, monsieur, il fait très chaud quand même, hein, c'est lourd, 24, 25 degrés, il n'y a pas beaucoup de vent. Il y en avait tout à l'heure, il y en a de moins en moins. Et ce stade qui est dans une cuvette est bien protégé. D'Eol, et donc il fait très chaud. Voilà, je vous rappelle donc ben oui. Que les joueurs
de Mirepoix ont marqué les deux pénalités par l'excellent Carbonneau et suite de Lousteau. Et les deux autres par le demi d'ouverture Lousteau. Et que de l'autre côté, il y a eu cet essai collectif et puis la transformation et les deux pénalités pour le numéro 13, Bruno Barthès, pour Montrégeau. Allez, l'arrêt a été très court, deux petites minutes, et on repart à la charge avec une introduction toujours Mirepoix. Mirepoix, puisque la faute... Il faut tenter un truc, là. Allez, on faut est tuer pas... le match. Il reste 20 minutes, 19 minutes au chrono, et il faudrait peut-être... Il faut tuer le match. Maintenant, balle perdue. Mais il y a pénalité, effectivement. Allez, que va dire monsieur... Soit il attente. Hein. Ah, il faut la tenter. Il passe devant. Alors, est-ce que... Non, je pense que c'est un peu loin. Il n'y a rien eu, là, encore. Je pense que la fatigue... Ah, il attente. Ben oui, c'est le jeu. Il attente, et c'est Carbonneau, je pense qu'il va... Non, c'est Lousteau. C'est toujours Lousteau qui s'y colle. Il est en réussite. Et est-ce que depuis la deuxième minute et la première pénalité de Carbonneau, Mirepoix n'avait pas mené, est-ce que aux abords de la 62e minute, eh bien les Bleus reprendraient à la surprise, vu qu'ils jouent à 14, est-ce qu'ils ne vont pas reprendre le plat est chaud? On va le voir avec... Elle est difficile. Elle est un peu loin pour lui. Elle est difficile. Carbonneau a une très grande puissance au pied par rapport à lui. Mais il est pas mal aussi, hein. Allez, elle est pas mal partie. Non. Elle est devant les poteaux, mais attention, il fallait suivre. Hein. Ils l'ont bien coffré. Et est-ce qu'ils vont récupérer ce ballon? Non, la balle est récupérée par Montrégeau et dégagement. Il y a dessous Tisseyre, mais Tisseyre préfère... Ah non, il ne peut pas la jouer, la balle a touché. Il peut pas la jouer, la balle a touché la talanquère. Donc, exact. Donc il y a une touche. Et oui, M. Tartigny, effectivement, signale au numéro 8 de Mirepoix qu'il ne pouvait pas faire la touche rapidement. Voilà l'exclusion temporaire, le carton blanc pour joueur de Montrégeau est... terminé, et donc Montrégeau va... Retour de Chauvet, sortie de Bousquet. Et Montrégeau revient à 15 contre 14. La touche, avec toujours le Roman pour le Mirepoix. Roman qui tout à l'heure n'a pas été à droit sur la dernière touche. Allez, il faut se ressaisir. Voilà, là, on l'assure. Voilà, lui, belle prise, très belle prise. Ça, c'était notre meilleur pourvoyeur. Avec, on s'organise, l'un des bons groupés pénétrants. Voilà, la balle est en fond de groupé pénétrant, on progresse. Pour le moment, ils ne se mettent pas à la faute, les joueurs de Montrégeau. Balle pour dans les pieds de la troisième ligne. Oh, il n'y a pas en avant toute l'action. On peut encore, avec Carbonneau, attention. Il y en a un. Est-ce que l'arbitre va signaler un avant volontaire? Non, c'est un avant de Montrégeau qui a fait involontaire sur le plaquage. C'est un en avant sur la passe de Carbonneau, et la balle est allée en avant, et donc nouvelle balle et nouvelle action à venir pour l'équipe de Momo Mbadeng qui là-bas est très calme, on le voit très tranquille sur le banc de touche. Même Bruno Calero est très calme. Oui. Allez. Qui, lui, d'habitude, est assez... Ah, virulent. Allez, on repart. Et toujours cette ligne de trois quarts avec une bonne action là de... Zanata. Lousteau Zanata. Alors, lui, il faut le sortir. S'ils ne le sortent pas, ils sont foutus. Ça fait trois ans avant qu'il fait. Il est trop nerveux, ce garçon. Il est nerveux et sur chaque prise de balle, il est très... Qui fait un avant. Ah, il faut le foutre. Allez, elle est pensante. Allez, Numélé, mais cette fois-ci, elle sera. Non, il va être remplacé par Ben, je pense. À l'avantage. Voilà, il y a des changements dans l'air. Il va être remplacé par Ben. Du côté de Mirepoix, effectivement. Qui est beaucoup plus technique. Allez, la mêlée.
et on est toujours avec une bonne domination des Bleus, on est toujours dans le camp territorialement et on va se dégager, on ne va pas faire grand chose. Voilà, le petit 10, il a vu qu'il y avait. Le 10 n'hésite pas. Voilà, il faut revenir, il faut faire comme eux. Il ne faut pas leur laisser. Il ne faut pas laisser venir chez nous, parce qu'avec leur groupe pénétrant. Ils sont très dangereux. Là, on est au 50 mètres, légèrement dans le camp de Montrégeau. Allez, changement. Donc, sortie. Qui est-ce? C'est le 11 là, qui a fait les en avant, qui est remplacé par Ben. Effectivement. C'est ce qui se produit. Voilà. Ah oui. Allez, on va rentrer dans le dernier quart d'heure. On est rentré maintenant dans le dernier quart d'heure. Et toujours ce petit score, 13 à 12 en faveur de Montrégeau. Et toujours. La touche a été prise par Mirepoix. C'est l'une des rares municiens perdues par les joueurs. Ah, passe au pied. Passe au pied. Passe au pied qui peut s'avérer très dangereuse pour Montrégeau. Et on fait encore un bon trou avec une bonne action là pour les centres et pour Zanata encore. Que dit l'arbitre? Oh merde! On a plongé. On a plongé du côté de. Et le on sanctionne également un bon contest des joueurs de Montrégeau. On est pas, on n'a pas pu libérer, mais l'action était encore intéressante pour les joueurs de l'Ariège. La touche, très très longue touche. On va revenir, attention, il y a longtemps qu'on n'était pas venu dans les 22. Et ça, c'est pas bon. Mais bon, ça s'est amélioré. On a perdu quelques ballons du côté de Montrégeau à la touche. Alors, est-ce que celui-ci va encore être pour l'alignement rouge et noir qui, quand même, a dominé? On a dominé exclusivement sur ces actions de jeu. Hein. Là, la seule occasion, c'est leur pourrir le ballon en touche. Sinon, ou le récupérer. J'ai bien peur que. Ou le récupérer, et on peut le récupérer. Mais il faut. Depuis le temps, moi, je me serais calqué sur leur lancer. Ah ouais, mais c'est difficile, ils sont bien organisés. Ouais, on sait qu'à un moment, c'est au milieu. Voilà, quoi. Ouais, voilà, ça y est. Très bon. Voilà, on va peut-être réussir. Voilà, il faut les photos par terre. Il était juste. Juste à temps, l'arbitre ne dit rien, on va peut-être se ressaisir sur. Bon, ils vont essayer de reconstruire. Non, on va. On soit ils reconstruisent, soit ils vont reconstruire. Voilà, et la petite. Ah, voilà, on est bien monté offensivement. Est-ce qu'on va la récupérer ce ballon? Non, et encore un bon rock pour. Mirepoix est en train de faire une deuxième mi-temps de qualité. Ah non, c'est dommage. On a plongé, non, on a fait un talonnage à la main. Ah, il ne faut pas protester. Mais l'arbitre, quand même, aurait pu récompenser, à mon goût, le travail, l'excellent travail de percussion et cette défense offensive. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'attente? Oui, il va l'attenter. Oui. Non, il va tenter la touche. C'est leur, alors, c'est leur, on est en train de se. On est en train de se concerter et c'est une touche. Allez, oui. Attention de ne pas le regretter. Une touche, on est aux abords des 5 mètres de l'embut de Mirepoix. Il y a longtemps que Montrégeau n'était pas venu dans ce coin de terrain. Alors il faut s'organiser sur cette touche. Ah oui. Il faut gêner cette équipe de Montrégeau aux entournures. On le sait aussi, ça va se faire sur le 4. Allez, la touche. Ou le 7. Et ils l'ont perdu, et ils ont failli le perdre. Non, ils l'ont dévié. Ils ont joué une déviation sur la touche. Ils n'ont pas très très bien joué là. Est-ce qu'il y a un contest? Non, avec un bon départ, un très bon départ de Marty. On est sous les poteaux. Attention, peut-être le tournant du match avec un départ du pilier Caleardo. On s'est décroulé. Voilà, on est court, mais on repart et peut-être un essai. On est sur la ligne de but. Je vous dis, c'est peut-être le tournant du match. Si Montrégeau venait à marquer un deuxième essai, il se pourrait que ce soit terminé. Ils sont refoulés quand même. Très très bonne défense du pack de Mirepoix qui en tient le coup encore. On est sur
la ligne de but. Allez, on repart encore petit côté. C'est leur point fort, c'est leur point fort. Au ras de cette mêlée. Ils amusent. Hein. Allez, on est sur la ligne. L'arbitre, vous voyez l'arbitre d'Ambut qui vérifie qu'il n'y ait pas essai. On le repousse, on bien repoussé. Il faut lui bloquer le ballon. On l'a bien repoussé. Est-ce qu'on a récupéré le ballon? Non. Toujours les pieds de Montrégeau. La balle sur la ligne toujours. Allez, on repart, fait donner cher, mais très bonne défense des Mirapiciens de la troisième ligne. Et pénalité. Je vous dis, on n'a pas tenté cette pénalité. On peut s'en mordre les doigts. Et tout à l'heure, c'est la même action qui est arrivée à Mirepoix. Et l'arbitre accepte là aussi la bonne défense de Mirepoix. Là, c'est un attaquant qui est venu déblayer et qui est enjambé. Donc, il a été sanctionné. Attention, il faut la trouver, la touche. Et la touche n'est pas trouvée. Récupération pour Pouille. Pouille qui monte une chandelle. Attention de ne pas être hors jeu. Tout le monde est bien placé. Bien récupéré par la défense mirapicienne. On repart au ras. Allez, le match n'est pas terminé. On vient lâcher. Bon déblayage. On repart encore. Et il y a peut-être une position d'hors jeu. Non, l'arbitre laisse jouer et laisse l'avantage aux joueurs de Mirepoix. Il va falloir se dégager. Il y a trop longtemps qu'on est dans le camp. C'est ce que je vous disais. Mais récupération pour Mirepoix avec Soulet qui n'était pas hors jeu puisque la balle avait été contrée. Allez, Lousteau va certainement hériter de ce ballon. Je vois pas, voilà. Est-ce qu'il va taper lui aussi? Oh, il s'est bien ressaisi. Aïe, 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 en avant. Avec là-bas, il y a peut-être quelque chose, un coup à jouer. Coup de pied à suivre, je pense que c'est... Non. Un petit valette à sauver. Récupéré. Je pense que la décision du joueur de Montrégeau de taper à suivre n'était pas la bonne. Il me semble qu'il avait, autre chose à faire. Un ou deux joueurs décalés sur le côté. Il a préféré taper dans l'embut, mais l'excellent petit demi de mêlée Loïc Valette a sauvé Mirepoix. Mais l'arbitre décide de donner une mêlée. Apparemment, Loïc Valette est rentré dans son embut avec le ballon. Et donc, c'est une mêlée avec... introduction, bien sûr, pour le capitaine Montréjolais. Là, on sent les organismes très fatigués. Et le temps passe. On est à 7 minutes du terme de cette rencontre. Et le sort n'a pas encore désigné le vainqueur. 13-12, autant Montréjolais, autant Mirepoix peuvent encore espérer remporter ce planchot qui n'est pas très loin de nous, à côté de M. Corté, le délégué du comité des Pyrénées. Allez, là, mêlée. Les joueurs de Montrégeau prennent vraiment leur temps avant de revenir sur cette mêlée. Mêlée sur les 5 mètres. Allez, il va falloir être attentif côté bleu. Allez, l'introduction, toujours par le capitaine. Julien Daval. Il va falloir serrer les rangs du côté de Mirepoix. Ça fait maintenant 5 bonnes minutes qu'on campe. Mais la défense, et oui, bras cassé. On a poussé avant l'introduction. Attention de ne pas faire de faute irréparable pour les Bleus. Que vont décider? On va reprendre certainement la mêlée. Ou la touche? Non, c'est un bras cassé. On ne peut pas la touche. Allez, c'est encore une... Non, on va la jouer à la main. J'ai l'impression qu'on va jouer cette pénalité à la main. Il va falloir serrer les rangs du côté des Bleus. Oui, on a compris qu'on souffrait même sur cette phase de jeu du côté de Mirepoix. Allez, on est parti au ras avec une bonne percussion du pilier. Avec attention, on est sous les poteaux. Est-ce qu'on va... On a réussi à récupérer le ballon du côté de Mirepoix. Ah, il l'a perdu. Il l'a reperdu de suite, mais la balle, voilà, alors qu'il est sur la ligne, y a-t-il essai? Il n'y a pas essai, il y a toujours un défenseur. Que dit l'arbitre? Essai. Oui. Il a plongé par-dessus. Il est passé par-dessus. Et c'est le... Alors, on va voir. C'est le numéro 6.
c'est le numéro 6, Jérémy Conk, qui a sauté par-dessus le regroupement et à la 75e minute. C'est fini. Eh bien, vient certainement crucifier cette valeureuse équipe de Mirepoix qui était revenue à un tout petit point. Et la transformation va être certainement réussie par le numéro 13, puisqu'il est 15 mètres face au poteau et qu'il ne reste malheureusement que 5 minutes plus les arrêts de jeu. Je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir côté. Là, ça fait cher. Il va falloir marquer deux fois. Ah, c'est dommage. Pendant cette longue période où Mirepoix a dominé, ils n'ont pas marqué. Et là, ils sont revenus et ils ont marqué. Ah, la transformation n'est pas passée. Le poteau. Alors, il y a encore une chasse. Alors là, elle s'est transformée et c'est... C'est assez extraordinaire quand même. Ah, il faut le faire. 15 mètres face au poteau, il réussit à la mettre faire, il faut le faire, sur le poteau. Le match n'est pas fini encore. Est-ce que la chasse... Dépêchez-vous. Oh, c'est, ils ont le temps. Hein. Il reste 6, 7, 8 minutes avec les arrêts de jeu. Allez, il faut y aller là, la conquête. Là. Allez, on est dessus. Mmh. Et on est bien, bien présent dessus du côté de... Attention, c'est faute. Allez, on y est dessous pour... On a bien conforté le ballon. Il a très très bien joué Tissa. Il a été mis en difficulté, mais il faut repartir maintenant de l'autre côté immédiatement. On est obligé de jouer à la main du côté bleu. Il ne va pas falloir perdre le ballon. Et on a pratiquement 80 mètres à faire. Balle pour Lousteau. Hein. On n'hésite pas à attaquer du côté des Mirapécins. Voilà, une balle là-bas pour Ben. Ben qui est pris, non, qui réussit à se débarrasser de son adversaire. La balle pour encore Mirepoix. On a gagné 20 mètres. Allez, c'est pas fini. Avec un bon plaquage, une bonne percussion. Allez, on repart encore Lousteau. Sauté pour Carbono. Carbono qui va trouver là-bas le numéro 19 qui se tape à suivre. Et qui, oh là, est-ce que Carbono va récupérer le ballon pour entre les poteaux? On est sous les poteaux. Oh là là, l'action. L'action. Et on a failli. Ah, dommage. Et il n'a pas pu le récupérer ce ballon, malheureusement. C'est dommage. C'est dommage. Et Carbono a bien failli là-bas, sous les poteaux, réussir à récupérer son ballon. Une belle action, un bon coup de pied à suivre de Razak. Et malheureusement, Carbono a été devancé sur la ligne de but. Allez, encore quelques minutes à jouer, 2 minutes avant la fin des arrêts de jeu. Allez, là... Alors qu'il y a quelques gestes pas très agréables de la part de certains supporters qui Allez, l'attaque de Mirepoix encore quelques... En avant, récupéré par encore Carbono qui donne là-bas à son petit ailier. On est encore... Mirepoix n'a pas dit son dernier mot avec cette transformation qui n'a pas été réussie. La balle pour qui? C'est Nanavang pour Mirepoix. Nanavang, effectivement, Nanavang de la défense montréjolaise sur le coup de pied de déplacement des Mirapistiens. Et c'est une nouvelle opportunité avec une mêlée aux 22 mètres. Le match n'est pas encore fini. Cette transformation, finalement, nous arrange beaucoup. Il y a encore un espoir certain pour les Ariégeois de venir coiffer d'un tout petit point cette équipe de Montrégeau. Allez, on rentre dans les arrêts de jeu, 41 minutes. Ici à Carbone, et toujours ce score de 18 à 12. Deux essais pour les Montrégeaulnais, un seul, aucun pour les Ariégeois avec Calero, avec Carbono. Carbono, ah là, oh,
On ne peut pas gagner en faisant des fautes aussi stupides. Vraiment. C'est normal. Alors qu'il n'y avait pas de danger. Et Bachelard, là, malheureusement, fait cette en avant qui risque d'être rédhibitoire. Ils ont eu beaucoup d'occasions, les Mirapéciens, de revenir, de gagner ce match. Malheureusement, fautes de main, des fautes de choix. Et on va en rester à ce score, c'est à dommage. L'avantage des Haut-Garonnais. C'est pas fini. Allez, les arrêts de jeu. Et cette mêlée, il faut essayer de contrer ce pack Montréjolais. On est sur la ligne des 22. Je pense qu'ils vont garder le ballon. Oh, ils vont se dégager. Mais tant que le ballon n'est pas sorti et que l'arbitre n'a pas sifflé, c'est pas fini. Voilà, on risquait pas de la perdre. Avec un bon départ, on la garde cette balle. Mais bon plaquage. Est-ce que la balle... Allez, la balle... Ouh, on a bien failli intercepter encore du côté de Mirepoix. Voilà, les joueurs de Montrégeau ont décidé de garder le ballon jusqu'à la fin et de ne pas le rendre. Ils vont attendre que M. Tartini leur donne le droit de dégager. Voilà, dégagement. La balle ne sortira pas. Et malheureusement, Tissair va la récupérer. Il est dans ses 22 mètres. On a 75 mètres à remonter. La balle pour le numéro 14. Ah, faut tourner, là. Qui est pris. Attention, ne de pas faire la faute. Et effectivement, la faute, elle est faite. Et là, à la 42e minute, on peut dire que les carottes sont... C'est terminé. Que les carottes sont cuites. La dernière pénalité. Voilà, on a eu quelques mauvais choix et le bouclier a choisi très certainement son camp et certainement. Oui, oui. Voilà. Bonjour. Score final 18-12. Grosse déception pour les Ariégeois avec cette défaite le fil. Il faut bien avouer quand même que sur les points forts, les joueurs de Montrégeau sur leurs points forts ont gagné grâce à leur pack et grâce à leur groupé pénétrant. Mmh. Malheureusement, le manque de munitions... C'est surtout la sortie d'Andro qui a pénalisé, parce que c'est derrière, c'était le maître à jouer. Oui. C'est une trois quarts, il a manqué, on l'a vu, des en avant, des ballons tombés. Ça nous a été préjudiciable, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein. C'est comme ça, c'est le venu. Oui, cette expulsion vraiment très sévère, oui. je n'a sais pas bien. Aidé les Bleus de Mirepoix. Mmh. Et... Mais bon... Finalement, c'est dommage. C'est dommage. Les rouges et noirs de Montrégeau qui vont repartir de carbone avec le bouclier. Alors que le corps arbitral s'en va très vite. Hein. Mais disons que c'est l'arbitre de touche qui a signalé là. Non. C'est M. Tartini qui l'a pris de lui-même, qui est allé consulter son arbitre de touche et qui a décidé sévèrement d'expulser Andro. Bon, on va pas y revenir. Non, c'est comme ça. Il faut louer le courage des Mirapiciens. Ouais. Il faut louer leur esprit. Manqué. Il ne faut pas oublier qu'ils ont joué quand même. Il a vraiment manqué parce que forcément. Plus de 45 minutes. Il a la colère, vous nous sauvez. Il a la colère. Ah, on n'est pas très content, effectivement. C'est comme ça, quand on est en finale, il y a un perdant. Et on a vu la joie hier soir des Saint-Gironnais. Et là, on va voir la joie des Montréjolais et la grosse déception des Ariégeois qui viennent saluer leurs nombreux supporters qui sont à notre gauche dans ces petites tribunes de carbone. Et le bouclier va être remis par M. De Dieu et M. Corté au capitaine de Montrégeau, Julien Daval, l'un des bons joueurs de cette équipe de Montrégeau. Alors on va attendre que Patrick arrive avec des interviews. Allez, je suis avec Mohamed Madène. Donc juste après quelques secondes, ce coup de sifflet final qui malheureusement vous ne donne pas ce bouclier. C'est un peu une déception, Momo. C'est une déception puisque l'arbitre, au bout de la première mi-temps, à la fin de la première mi-temps, il fonce la partie. Je ne sais pas si le coup de pied est volontaire ou pas, mais ça m'étonnerait.
c'est pas un garçon méchant, notre capitaine, et du coup, on joue à 14 toute une mi-temps. Et je félicite mes joueurs qui ont tenu la dragée haute à cette belle équipe de Montréjou, qui ne nous a pas proposé grand-chose à part des groupés pénétrants. Mais le RSM a un bon avenir devant lui, un bel avenir devant lui. Je suis déçu pour les joueurs, mais on va rebondir en championnat de France. On vous le souhaite, merci. Voilà, c'est toujours un peu difficile hein, oui. Pour un entraîneur qui avait mis beaucoup d'espoir dans cette équipe. Hein. Mais oui, mais il n'a pas à rougir, il a fait son boulot. Et c'est vrai, alors, vous dites un coup de pied, nous, sur les images, il semble qu'on voit un coup de poing, mais c'est très difficile et c'est vraiment bénin. Moi, j'ai vu le pied, quand il est retourné, oui. Le pied de Andro a touché la tête du pied, mais sur le retournement, c'est ouais. Pas un coup de pied, il est sur le dos. Moi j'ai vu ça. J'ai pas vu grand-chose. Moi, j'ai pas vu le coup de poing. Il a rejoué tout de suite le truc. Il a été tamponné, oui. En tombant, il a touché la tête du gars. Moi j'ai vu le geste, mais... Moi c'est ce que j'ai vu. Après, mais on ne peut pas mettre, un non. Jour de finale, un carton rouge comme non, ça. Non, comme ça, non. Monsieur Tartini a manqué de discernement sur cette action. C'est indéniable. Il a gâché un peu la partie qui aurait été beaucoup plus agréable. Et là, il est là, il est rembleu. Donc, non. Sincèrement... moi je plaide pour lui parce que vraiment le pauvre garçon n'a absolument rien fait de répréhensif. Alors, il y a une super communion là entre les garçons, tous groupés avec leur public, leur entraîneur, leur président, tout le monde est là, vous le voyez sûrement sur la caméra, sur les images, avec ce grand cercle qui a été formé au milieu et puis deux ou trois personnes dedans qui donc se mettent à chanter tous ensemble. La joie d'un bouclier, vous en doutez qu'on aurait préféré, sans être trop chauvin, ramener du côté de l'Ariège comme hier soir à Saint-Girons. Je ne sais pas si on a les résultats, peut-être demander à Jean-Marc de Dieu si on a les résultats de Chalabre, du Lescarcob. Oh, je pense pas qu'il les ait lui. Oh si, il est pas là Jean-Marc, il était là. Il est sur la pelouse. Si, il est sur la pelouse. Il va remettre le bouclier. Ah si, je l'ai regardé, il zappait tout à l'heure, on va lui poser la question. Je vais faire le pendant avec l'entraîneur de cette équipe de Montréjou que je connais personnellement. Et tiens, regarde, il est en train de ramener sa petite fille. Viens là, avec la petite, on va en profiter. Est-ce que tu vas? Là, voilà, juste un petit mot. Donc tout à l'heure, on était avec Momo Mbaden, on disait qu'il a vu la déception de l'entraîneur qui a perdu. Toi, t'es l'entraîneur qui a gagné. Ouais, bien sûr, c'est toujours... C'est toujours plus facile, bon, je l'ai dit à Momo, ils le méritaient autant que nous, ils ont fait, on a dominé jusqu'au carton rouge et paradoxalement c'est ceux qui nous sortent un peu du match, eux se sont refait la cerise sur la vaillance et voilà, je l'ai dit à Momo, c'est une belle équipe, ils méritent autant que nous et voilà, aujourd'hui ça nous a choisi à nous et tant mieux pour nous, bon, bravo à eux pour cette belle saison, ça a été des adversaires très valeureux. Merci beaucoup à toi, merci, bye bye. Voilà. Le pendant hein, de deux entraîneurs, avec si vous vous doutez la joie de l'un et pour la déception de l'autre. Ah, on l'a vu hier soir, hein, la grosse fête qui a eu lieu cette nuit du côté de Saint-Girons et puis la grosse déception de l'Aiguevin. Oui. Allez, peut-être on va voir le résultat de notre troisième équipe ariégeoise en finale, l'US Kerkorb, qui représentait notre comité. Et apparemment, pas de résultat pour le moment. On n'entend plus. On n'a pas le résultat final, il menait 16 à 15 il y a 10 minutes. Ah. Donc ça va se jouer très serré. C'est serré là aussi. Hein. Là aussi, voilà. Alors l'entraîneur, le capitaine, je dirais, malheureux hein, en fin de compte, qui est avec les représentants du comité Midi-Pyrénées, qui va recevoir, il est très surpris, il explique sa déception d'avoir été sorti. Mais bon, c'est sportivement qui reçoit cette coupe, je dirais, de finaliste. Hein, simplement, c'est pas toujours gagnant. Et comme l'a dit Momo, j'espère pour eux qu'ils vont rebondir au niveau donc, du championnat de France. Ça va être une bonne leçon pour eux de se regrouper, de faire moins de fautes peut-être, d'être un peu plus discipliné peut-être aussi, je sais pas. Il y a beaucoup de choses à dire. Ah c'est sûr, je me mets à sa place, surtout que c'est sur une action, et sur une action où il a subi une faute, et en tombant, il aurait eu cette faute. Moi, il me semble voir un geste, l'arbitre dit un coup de pied, sur les images qu'on a eues, c'est très difficile, et on a vraiment beaucoup de mal à déterminer cette faute qu'a pu détecter M. Tartini. Un peu sévère quand même, un peu sévère. Voilà. Jaune aurait été... Bon, même pas jaune, même pas. Non, allez, là on va attendre. Voilà, le malheureux capitaine ariégeois
Hugues Andro qui vient saluer son public. Et c'est Antoine Bac qui le touche. Oui. Et donc. Jean-Marc, le temps qu'ils arrivent, un petit mot pour cette finale magnifique dans laquelle tu as pu assister. Écoutez, une belle finale avec deux belles équipes. Une qui a voulu jouer à tout va et c'est peut-être là où elle a perdu le match. Et une question contentée de gérer une fois qu'elle a eu le score avec un très bon demi d'ouverture. Je suis déçu pour m'y repas parce que je crois franchement qu'il méritait de gagner. Voilà. Une belle partie quand même. Tout à fait, une très belle partie. Voilà. Merci beaucoup. Merci donc pour remettre dans quelques instants, vous vous en doutez, alors ils ont pris le temps, hein, Montrégeau, de profiter de ce moment entre eux avant de venir chercher ce bouclier qui est là. Donc maintenant. Alors je vais essayer de regarder qui c'était le dernier. Le dernier de la saison dernière. Et c'était un arrière, je vois. Ah non, c'était Montredon, non. Montredon, ah oui, Montredon qui avait... En première série, pardon. En première série. Montredon qui avait éliminé nos amis Fuxia. Et regarde, on va faire encore mieux. On a le président du club qui nous accueille aujourd'hui. Ah pardon, tu n'es plus. Mais ça fait rien, un petit mot. Madame la présidente, profitez-en, ils ne sont pas encore là. Retournez-vous vers les caméras. Parlez-nous de votre club un peu, qui a des difficultés, il semblerait. Oui, tout à fait. Alors, ça a été une saison difficile, mais nous avions des guerriers qui n'ont rien lâché et qui veulent repartir encore cette année. Donc, ils sont en période de recrutement. On espère beaucoup fidéliser notre club. Et surtout, c'est l'esprit de famille qui joue beaucoup. Et après, nous, on espère avoir des résultats. C'est rare d'avoir une présidente... co-présidente, nous sommes deux avec Christophe Rivière, ravi, voilà. Et oui, j'ai lâché l'école de rugby pour reprendre le club. Merci beaucoup, Nam. Bonne continuation, on espère bien entendu pour vous aussi, hein, de retrouver. Alors, oui, non, j'ai oublié pourquoi je ris, parce que d'abord on me dit des bêtises dans le casque, et puis autre chose, je dirais, je vais faire comme les trolls, le coup que j'ai sur le nez, je vais bien, je plaisante. Non, ça va, j'ai eu peur un peu tout à l'heure d'avoir perdu mon bonnet. Ils savourent pleinement, ils sont à 15 mètres de ce bouclier, on dirait pas qu'ils ne veulent pas s'en approcher. Alors je ne sais pas si c'est eux qui doivent aller vers le bouclier ou le bouclier qui doit aller, je ne sais pas honnêtement. Voilà, monsieur Corté s'énerve donc... Oui, mais parce que bon, je pense qu'ils sont là, ils attendent, je ne sais pas ce qu'ils attendent. Ils sont en train de s'approcher, peut-être avec le capitaine qui sera donc devant en tête de liste. Avec le président, vous l'avez vu, hein, un des présidents qui était tout à l'heure avec nous, ils sont trois eux aussi, hein, comme à Saint-Giron, pour venir le féliciter... comme il a dû le féliciter plusieurs fois. Les photos d'honneur avec le bouclier, bien entendu, et tous les photographes qui sont là, Ariégeois certes, pour certains, et d'autres représentants la Haute-Garonne, et bien sûr, accompagnement de Montrégeau pour ce grand plaisir, ce moment que nous avons vécu nous aussi pour cette équipe hier avec Saint-Giron. Et vous allez voir dans quelques secondes ce bouclier se lever avec la joie de ceux qui l'emportent, bien sûr, et vous le voyez peut-être de l'autre côté, juste à côté, la déception très marquante de ceux qui l'ont pas gagné. Voilà, encore les félicitations. Le capitaine a le bouclier dans la main. Il va peut-être le lever dans quelques secondes et c'est fait maintenant. Voilà, ce bouclier qui restera à Montrégeau puisque c'est le dernier bouclier du comité des Pyrénées. Vous le savez, l'année prochaine, c'est la Ligue Occitanie qui prendra le relais. Ça ne sera plus la finale du comité des Pyrénées, mais ça sera la finale du comité de la Ligue Occitanie. On ne sait pas encore quels seront les contours de cette future Ligue. On le verra très rapidement puisqu'il va y avoir des élections extrêmement importantes pour le rugby à Midi-Pyrénées, mais également du côté du Gers et du Languedoc. Alors on va voir comment on va travailler maintenant dans les prochains jours, dans les prochains mois. Le rugby n'est pas mort, le rugby des petits villages va continuer cependant. On espère qu'ils trouveront des solutions pour ne pas gréver ces budgets qui sont difficiles à trouver dans les petits clubs comme à Mirepoix, comme partout dans les petites villes ou les petits villages qui ont une école de rugby. Et comme le rugby, vous le savez, ça se finit toujours en chantant, eh bien, il faut applaudir cette équipe de Montrégeau qui chante sa victoire, c'est normal. Hier soir, on a applaudi à des deux mains les Saint-Gironnais. Aujourd'hui, malgré notre déception d'Ariégeois,
eh bien on va applaudir les Montrégiens, les Jacques-Claude. Oui. On ne sait toujours pas le résultat final du CARCOM, Alain. Ah, toujours pas. On va demander maintenant qu'il a remis, on va demander à Jean-Marc de Dieu qui suivait le match. Jean-Marc doit l'avoir. Et ça serait. Il y avait Madame le maire de Mirepoix tout à l'heure qui était juste à côté de nous dans les tribunes. J'aurais voulu lui faire dire un petit mot. Malheureusement, je ne la retrouve plus ou pas. J'essaye de la chercher pour lui. Je crois qu'elle est partie. Ah, de déception peut-être. Non, j'espère non. pas. Non. Non, mais j'espère qu'elle est restée quelques minutes. Elle aura fait le plaisir. C'est très rare de voir des maires qui accompagnent des équipes, même en finale. Je sais pas si elle est avec. Oh non, les maires accompagnent. Parce que non, mais je veux dire. Hier soir, on avait le maire de Saint-Giron. Non, je sais pas si elle est. On avait le maire de Lègue-Vain. Je sais pas si elle est par là. Je suis en train de la chercher. Avec les joueurs, je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Bon. Allez, si. Je pense que non, elle est partie, Madame le maire. Alors je vais essayer du côté des supporters. Il y a supporters. Du monde, alors ça va être dur pour toi. Ouais, en plus elle n'est pas grande. Oui, je la reconnais pas spécialement, si je la connais, mais... Non, mais elle est partie, je pense. Hein. Bon, d'accord. Mais en fait, je cherche quand même. Bien, et bien, on va voir... C'est dommage. On va donc analyser un petit peu cette défaite, une défaite cruelle pour Mirepoix. On va leur souhaiter quand même une bonne continuation et un bon parcours en championnat de France. Comme beaucoup d'équipes ariégeoises, ces Giron-Tarascon en honneur représenteront notre département. Mirepoix en fera de même avec la première série. Oui. Il y aura l'ESAT qui sera qualifié en promotion. En deuxième série, je crois qu'il n'y a pas d'Ariégeois par contre qualifiés. En troisième série, il y aura des Ariégeois puisqu'il y aura le Kercor. Non, le Kercor, c'est la quatrième série. C'est la quatrième série. Et en troisième série, je ne sais pas qui représente. Ah oui, Sainte-Croix peut-être, qui est allé en demi-finale. Sainte-Croix ou Castelnau? Non, Sainte-Croix. Non, Sainte-Croix. Oui, Sainte-Croix. Parce que c'est Sainte-Croix. Okay. Voilà. Bien, et eh bien, Franck, notre chef va nous demander de terminer cette retransmission. Juste un petit mot, Alain, si tu me le permets. Oui, je voudrais encore une fois remercier les partenaires et tout au moins le club de Mirepoix qui nous a permis aussi de trouver des partenaires en quelques heures. Merci à Bruno Zanatta et toute son équipe qui, effectivement, est très déçu, j'en suis certain, et je préfère pas aller le voir. Mais je voudrais remercier tous ces partenaires qui effectivement nous ont permis donc de pouvoir réaliser ce match. Merci encore une fois à tous ceux qui se sont. Je sais qu'il y en a qui sont venus, ils sont venus nous voir. Et puis hier on a reçu un très beau message. Un d'un de nos partenaires qui a salué, je vais prendre mon temps, qui a salué notre travail et je voudrais le remercier, c'est Optical Center pour ne pas le citer, des gens qui sont toujours présents à nos côtés, comme France Parbrise en particulier, comme beaucoup d'autres qui nous suivent très régulièrement. Et pour les finales, ça a été un peu compliqué avec la Ligue Midi-Pyrénées, mais enfin on est arrivé à faire ces deux réalisations. Pour celle de Saint-Giron hier, on a passé un excellent moment, on aurait pu être encore plus heureux ce soir, cet après-midi, si Mirepoix avait gagné. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont compris le travail que nous faisons pour le sport en particulier ariégeois et pour le rugby, quand c'est le cas aujourd'hui avec deux matchs ce week-end. Merci beaucoup à vous, merci Bijou de nous avoir accompagnés, merci à toi Alain, on va se reposer un peu et puis on se retrouve je crois la semaine prochaine mais pour d'autres cieux et puis d'autres moments. Merci beaucoup. Bon, merci Patrick, et bien on va donc quitter ce magnifique stade de Carbonne. Le week-end ariégeois pour le moment est à 50-50. On va attendre le résultat de nos amis du Kercor pour fêter avec eux peut-être un deuxième titre pour le comité de l'Ariège de Richard Sansac. Merci à Franck à la réalisation. Aujourd'hui, nous manquait nos dames derrière les caméras et Raoul et Patrick ont fait un excellent travail. Merci Jean-Claude d'être venu à mes côtés pour commenter cette rencontre. Un peu de déception, mais ça passera très vite. Ouais, oui, et le championnat de France. J'en ai perdu et j'en ai gagné. Donc la déception, elle est un peu là, mais surtout sur un coup de sort. Quoi. Mais bon, mais. C'est comme ça. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous et puis. Merci. À la prochaine fois. Merci. C'est en jamais. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.
told you once, now I'll tell you twice.